Donc c'est parti. Donc, donc là, le conseil municipal du 25 mars est ouvert. Donc pour juste pour répéter ce que je vous ai dit en aparté au préalable, là, donc on est dans une on est juste là dans une organisation un peu on va dire spéciale, puisque on a une restriction de la part de la préfecture concernant la limitation à 6 personnes maxi en présentiel. Donc une interdiction de plus de personnes dans notre salle du conseil. Donc le public notamment ne pourrait pas être en présentiel. Et ça, c'est sujet au fait que nous sommes sur un territoire avec un haut taux d'incidence, donc une surveillance renforcée. Et donc, un assouplissement durci dans un sens, puisqu'initialement, il était prévu que toutes les commissions délibérantes auraient pu se réunir. Mais particulièrement dans notre commune, nous a été retirée cette possibilité. Donc, on a organisé en une journée cette modification. Donc, on aura d'un côté les personnes élues présentes, donc 6 maxi. Donc, on a essayé d'équilibrer un peu, hein, donc, entre opposition et notre liste. C'est pour ça que Nancy est présente. Et derrière, on a mis les autres personnes de la liste en visio. Donc, je remercie déjà à la base tout le monde pour avoir, on va dire, joué le jeu, hein, puisque ce n'était pas simple d'organiser tout ça. En parallèle, on enregistre en continu. Donc, pour ça, et cette vidéo sera diffusée sur le site, je pense, de la mairie, hein, ouais. Presque, on a dit. Donc, vous m'excuserez si de temps en temps, Jean-Claude m'interrompt, parce que sûrement, il doit avoir un problème de connexion ou c'est plus sur la partie technique. C'est un peu nouveau d'enregistrer un conseil municipal en visio. Et donc, ben, on va commencer par définir une secrétaire de séance. Donc, je pense qu'on va prendre une personne des présents. Je ne sais pas s'il y en a qui sont motivés, sinon, c'est moi qui vais devoir la nommer. Allez, Liliane. OK, donc c'est Liliane Thomas qui sera prêt. Qui fera office de secrétaire de séance. Voilà. Alors, je ne sais pas si déjà tout le monde m'entend, si c'est OK pour tous. C'est bon, oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Oui. Ça marche. Donc, en présent, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a eu… Ah oui, toi, tu es plus connecté, Jean-Claude, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui. Florent, il y a donné voix. Florent Savignon, il y a, voilà, c'est excusé, il a donné pouvoir à Céline Nancy, hein, oui, je pense. Voilà. Et donc, de notre côté… On a. Il doit peut-être manquer. Il manque Isabelle, mais bon. Voilà, Isabelle n'avait pas eu le temps de voir ses mails aujourd'hui, donc elle était. Elle est venue au conseil, à la salle du conseil, mais on lui a demandé si c'était possible qu'elle puisse, revenir à son domicile pour qu'elle puisse se connecter, pour respecter un peu le changement de dernière minute qu'on a effectué aujourd'hui. Donc, je pense que si vous n'y voyez pas trop d'inconvénients, elle se connaîtra peut-être avec un peu de retard, mais elle sera en vidéo. OK. On peut commencer. Ça vous convient? Alors, je pense que tout ce qui est délibération, alors je ne sais pas si on le fait par écrit, parce que là, c'est un peu nouveau, ou si on le fait oralement, si c'est par chat, qui, les gens pourront dire oui, non. Alors, ce qu'on va faire, c'est que quand on va délibérer, on va d'abord demander au niveau de la salle en présence les personnes, et après on demandera les personnes la personne qui souhaitera soit s'abstenir, soit opposer, au moment où on lui demandera, ben, aura qu'à lever la main ou faire un signe ou prendre la parole. Voilà, on verra comme ça. De toute façon, on va déjà commencer par la validation du. On va commencer d'abord par la validation, l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 25 février 2021.
Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires. Ok, donc on peut valider le compte-rendu. Il n'y a personne qui s'abstient, alors, qui est contre. Pardon, je te coupe. Ouais, je précise aussi que du coup, normalement, vous savez, on signe les présents, on signe les approbations pour compte-rendu. Donc, moi, voilà, je vous ferai à ce moment-là l'occasion, quand on se verra tous ensemble en présentiel, on rattrapera. De toute façon, moi, je note toujours ceux qui sont excusés ou pas. Donc, en fonction, vous signerez là où vous devez signer, mais on rattrapera tout ça. D'accord. OK. Donc, je reviens sur l'approbation du compte-rendu. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? OK, donc on peut valider le compte-rendu. Alors, premier point de l'ordre du jour, donc on est sur le paragraphe. Voilà, donc ça, c'est… voilà, donc là, il y a un encaissement de chèques. Donc, il y a deux. Ouais, donc voilà. Il y a deux chèques. Il y a deux. D'accord, donc il y a un chèque de 480,27 € concernant un dossier courtage sur une assurance qu'on a payée en fait, il y a eu un prélèvement en double. Ah ben, je te laisse le détail. Pour le premier chèque, alors il faisait partie du rapport de présentation. Ce chèque-là, c'est l'assurance, en fait, notre protection juridique qui a procédé à deux prélèvements parce qu'ils ont eu un problème informatique chez eux. Et donc, du coup, ben, ils ont remboursé le prélèvement qu'ils ont fait en trop, d'un montant de 481,27 €. Donc voilà, c'est simplement comme on fait d'habitude, que vous donniez l'approbation à M. le maire d'encaisser le chèque. Donc voilà, on va déjà faire celui-ci. Et puis il y a aussi, j'ai rajouté, je vous l'avais dit par mail, il y a un deuxième chèque de 213,50 € qui nous vient de Engie. C'est pareil, c'est un avoir sur une facture introversu. Donc, voilà, on aura deux chèques à approuver à l'encaissement. Un de 459,27 €, pardon, ouais. Et un de 213,50 €. Voilà. Oui, donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Hop. Ça, c'est l'échec. Après, on avait le remboursement donc, sur note de frais d'une facture concernant l'achat d'un vidéoprojecteur, puisque là, on a acheté un pour un peu ben, que ça puisse partir faire un bon outil de communication un peu à la demande. Hein. Donc, c'est Jean-Claude qui s'est chargé de l'achat. Pour un peu, donc, on a acheté un joli… c'est pas mal, hein, il a une bonne résolution. Et il est à 289,99 €. Donc, ça, c'est à dispo. Et avec une… avec l'assurance. D'accord, il y a une assurance aussi. Il y aura 20 € d'assurance, c'est ça, Jean-Claude ? Voilà, il y a une extension garantie, donc une assurance qui est de l'ordre d'une 20aine d'euros. En tout cas, voilà, on est sur 319,99 € à rembourser à Monsieur l'État qui a fait l'avance en achetant sur Internet. Donc… qui s'oppose ? Bon, qui s'abstient ? Merci. Alors, on va après rentrer dans le sujet, on va dire, le sujet important de ce conseil municipal. Alors, attends, juste celle-ci. Ah oui, pardon, voilà. Il y avait un petit manuscrit. J'avais rajouté un point aussi également. Vous m'entendez ? Je ne sais pas, en fait, si vous m'entendez bien. J'avais aussi rajouté un point qui était lié à la nomination d'une personne qui représentera la commune de Saint-Laurent pour la CAO. Vous savez, on avait le mois dernier, on avait délibéré pour nommer en fait un prestataire, enfin, pour faire partie d'un marché pour un prestataire cantine. Donc, on a fait cette délibération, très bien, sauf qu'on a oublié de nommer la personne au sein du conseil municipal de Saint-Laurent qui assistera à cette CAO. Donc,
on a, c'est Fernand qui avait été, parce qu'il faut que la personne qui soit nommée, elle soit aussi dans la CAO de la commission. Donc le mieux, c'était le seul qui est dans la commission d'appel d'offres et qui en même temps, sur le PAT, ça, qui a suivi le dossier avec Déborah, c'est Fernand. Donc voilà. Donc on a décidé en commun que ce serait Fernand avec bien sûr son accord. Et donc nous, on vous propose sa candidature pour pouvoir traiter ce sujet. On va délibérer là-dessus. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont contre. Bon. Et qui s'abstient. Bon, ben merci. Voilà. Okay. Et donc nous entrons maintenant dans le sujet principal de ce conseil municipal, qui est le compte administratif 2020. Question idiote, on peut avoir une partie ou pas ? On n'a pas entendu. C'est Fernand qui a parlé ? Oui, c'est moi. Pardon, oui. On peut avoir un partage d'écran ou pas ? Si je fais partage d'écran, je ne sais pas c'est lesquels que tu veux. L'ancienne mouture, alors c'est le problème, il est là. J'aurais pas les dernières moutures. Le problème, c'est que je vous avais mis dans le rapport de présentation les tableaux condensés, parce que le problème, c'est qu'est-ce qu'on… C'est, voilà, je ne suis pas sûre qu'on puisse les… Donc, dans le rapport de présentation que je vous ai envoyé… Mais le problème, c'est que il y en a tellement des tableaux que ça n'a rien de l'autre. Non, mais de toute façon, les gens ne vont chez eux. Simplement, voilà. Ce qu'on peut vous faire, voilà. Voilà. C'est une autre fenêtre aussi. Oui, oui, vous pouvez. Dans le mail que nous vous avons envoyé, vous avez donc le rapport de présentation. Et dans ce rapport de présentation, vous avez les chiffres qui sont sur le vote du compte administratif de chaque budget. Il vaut mieux qu'on vous présente ça parce que c'est plus condensé. Et vous avez la possibilité d'ouvrir une fenêtre sur votre ordinateur avec les chiffres à côté. D'accord. Voilà. Sur le vote du compte administratif, on va peut-être commencer par le budget de l'eau. Allez. Donc pour récapituler, on a déjà présenté au global. Hein, donc nous, on va vous présenter donc les trois comptes principaux. Sur quatre, puisqu'en fait, il y a quatre comptes exactement, quatre budgets à gérer sur la commune de Saint-Laurent. Donc, pour rappel, il y a donc le budget de la commune, il y a le budget eau, le budget assainissement et le budget CCRS. Et le budget CCRS devra se réunir, devra faire son compte administratif quand on réunira la prochaine commission qui devrait arriver d'ici peu, puisque je crois que la date limite est au mois d'avril. Le 15 avril, voilà. On avait dit autour du 5 avril. Voilà, donc il y aura la commission qui sera réunie en deuxième temps. Donc pour les comptes administratifs, on va commencer donc par le budget eau. Hein, le budget d'eau, alors moi, je, simplement, donc… Après, Olivier vous fera part des chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le budget d'eau, c'est un budget qui est plutôt équilibré, qui s'équilibre entre les dépenses et les recettes. On a même des excédents. On a des excédents, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Pas si vous avez tout sous les yeux la feuille déjà qui correspond, on va dire, au budget haut. Donc, il y a trois grands indicateurs qu'on va présenter. Donc, l'indicateur investissement, l'indicateur du fonctionnement et puis les résultats de clôture de l'exercice. Donc, concernant l'investissement, donc on avait prévu des dépenses aux alentours de 127 000,898 euros. Et il a été réalisé. Là, par contre, il y a quelque chose qui me surprend.
Oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que on n'a pas les chiffres tels que vous les voyez. C'est que voilà, on a au départ au budget, qu'il soit en dépenses ou en recettes d'investissement, on est à 127 898 euros. On a réalisé 13 521 euros. En reste à réaliser, on a zéro parce qu'en fait, on n'a pas de crédit en investissement qu'on avait inscrit et qui sont on n'a pas de crédit qui est inscrit et qui sont, à reporter. Voilà. Les restes à réaliser, ce qu'on appelle les restes à réaliser, ce sont soit des dépenses, soit des recettes qu'on devait faire sur l'année 2020 et qu'on n'a pas soit dépensé, soit encaissé. Donc, on les reporte sur 2021. Or, en budget d'eau, on n'avait pas en investissement prévu de dépenses ou prévu d'encaisser des recettes que l'on n'a ni dépensé ni reçu. C'est pour ça que vous avez un reste à réaliser à zéro, ce qui ne sera pas le cas sur le budget de l'assainissement ou le budget principal. Voilà. C'est simplement, en fait, voilà, le réaliser, c'est qu'après, le reste à l'investissement, le fonctionnement, c'est ça. Voilà, d'accord. Ce qui reste après. C'est bien, parce que c'est jamais le même temps. Oui, non, c'est toujours. Ouais. OK, et donc en recette, nous avions donc prévu 127 898 euros et on a réalisé 87 987 euros 92. Donc, dans la logique, on est donc là sur les recettes, on est excédentaire de. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des dépenses, de dépenses d'investissement, donc tu viens là, on a un résultat excédentaire de 74 487,71 euros. Voilà. Autrement dit, voilà, on a sur le budget le budget d'eau. Les seules rentrées d'argent que nous avons, c'est la facturation, en fait. Voilà. Et pour l'instant, nous n'avons pas, on n'a pas de grosses dépenses d'investissement, comme on verra sur l'assainissement où on a eu des travaux. Sur l'eau, on n'a pas de grosses dépenses d'investissement. Donc, on a effectivement plus rentrées d'argent que ce qu'on en a dépensé. Donc, on a un excédent en investissement. Okay. Fonctionnement, c'est là. Et après, en fonctionnement, donc on avait des dépenses prévues de 126 963 euros et on a réalisé 74 012,40 €. Donc, pareil, on a effectué moins de dépenses que prévu. Concernant les recettes de fonctionnement, donc on avait prévu 126 963 euros et on a réalisé 128 748 euros 24. Donc on a réalisé plus que ce qu'on avait prévu, donc c'est encore un excédent complémentaire. Donc le résultat de clôture de l'exercice, en investissement, on est à plus 74 487 euros 71. En fonctionnement, on est à plus 54 735,84 et ça nous fait donc une somme, un résultat global de plus 129 223,55 euros. Voilà. Donc voilà, concrètement, le compte administratif de l'eau, c'est ce que je vous disais, hein, il est plutôt excédentaire. Alors, il est excédentaire sur cette somme-là. Parce que voilà, on n'a pas encore entrepris de gros travaux sur l'eau, mais on a quand même, vous le verrez, budgété des sommes cette année encore, parce qu'on a quelques travaux de prévus, notamment au niveau des tracoles, voilà, où on attend une intervention de Enedis pour pouvoir faire une conduite d'eau. Et puis c'est surtout qu'on prévoit au cas où on ait une grosse casse, voilà. Mais globalement, le gros de l'excédent qu'on a fait est issu quand même des dépenses d'investissement qui avaient été prévues de l'ordre de 127 000 et qui s'est retrouvé à 13 500. Voilà. C'est là où il y a le gros dépenses. Donc là, il faut qu'on délibère à chaque fois. Voilà, d'accord. C'est ça. Donc je ne sais pas si des personnes s'opposent. Qui s'abstient. Donc merci. Bon.
Donc, on va faire d'abord tous les comptes administratifs. Ouais, je pense, ouais. Donc, prochain budget, oh, on va rester dans l'eau, on va faire l'assainissement. OK. Donc, de la même manière, on va regarder donc, l'investissement. Donc, sur les dépenses concernant le compte administratif d'assainissement, on avait prévu initialement sur l'année 2020, 274 779 euros. Et on a réalisé donc 192 402,07 €. Donc, on a un excédent de 42 000 euros sur les dépenses. Voilà, c'est ce qui reste à réaliser. C'est ce que j'expliquais. Ouais. Entre ce qui nous reste, ce qu'on avait écrit inscrit en dépenses et ce qu'on a réellement effectué, il nous restera 42 000 euros sur l'année 2021 à encore payer. Voilà. Sur les recettes, nous avions prévu, recettes d'investissement, nous avions prévu 274 779 euros. Il a été réalisé 156 721,92 € et un reste à réaliser de 59 132 euros. Donc, on va basculer après sur le fonctionnement. Alors, sur les dépenses de fonctionnement, on avait prévu donc 229 878 euros. Il a été réalisé 177 136,47 €. Et là, on n'avait pas de reste à réaliser. Donc, encore une fois, on est en excédent pour les trois analyses. Sur les recettes de fonctionnement, on avait prévu 229 878 euros et on a réalisé 232 755,29 €. Et aucun reste à réaliser. Donc pareil, on est en excédent. Alors par contre, sur les résultats de clôture donc de l'exercice en investissement, donc alors là, je vais laisser la main à Christelle qui doit avoir le détail de alors en investissement, voilà, en investissement, on est à moins 635 680. Alors pourquoi? Parce que on avait effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les travaux de séparation des eaux pluviales et des eaux usées au quartier des Combes. Et du coup, on a eu des dépenses et nous, on a fait des demandes de subventions auprès de d'autres collectivités et on n'a pas encore fait la demande des soldes des subventions. Donc, il nous reste forcément à rentrer un peu plus d'argent que ce qu'on a dépensé, ce qui nous fait qu'on se retrouve sur un déficit d'investissement. Par contre, en fonctionnement, on a moins dépensé que ce qu'on a rentré, ce qui fait qu'on a un excédent de fonctionnement. Donc, en compensant les deux, sur le résultat global, on est quand même sur un résultat d'exercice positif à 19 938,67 €. Mais voilà, c'est quand même, si on doit faire une conclusion, ça reste un budget excédentaire, donc qui s'équilibre, mais qui reste un petit peu fragilisé pour l'avenir en fonction des projets qu'on aura à mener sur Buyer, voilà. Par exemple. Voilà. Donc, il faudra à un moment donné s'interroger sur la façon dont on doit gérer un petit peu ce budget. Voilà. Mais en tout cas, il est toujours excédentaire à l'heure d'aujourd'hui. OK, donc là, c'est bon, tu as pu détailler les choses, merci. Ouais. On va passer à la délibération. Donc, qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. C'est un coup de billet communal. OK, donc compte administratif de la commune. Alors, donc sur l'investissement, alors les dépenses d'investissement, il était prévu 1 067 808 euros. Et il a été réalisé 317 204,15 euros, avec un reste à réaliser en plus de 119 570. Donc là, globalement, cet excédent est quand même lié aussi à la situation un peu Covid, où il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été ralenties là-dessus. Oui, hein,
Puis on a un peu moins de projets, forcément. On a terminé les gros projets d'investissement qu'on avait, qui était celui de la bibliothèque, ludothèque. Et c'est vrai que cette année, sur l'année 2020, il n'y a pas eu réellement de gros investissements de fait, quoi. Donc ça nous apporte une couche supplémentaire sur le matelas qui était déjà initialement. Donc ça nous permettra d'envisager les futurs investissements, notamment concernant les projets écoles. Et donc ça nous permet d'avoir une situation un peu plus confortable quoi, que si on était dans le négatif, quoi, ça c'est certain. Après, en investissement sur les recettes, donc, on avait prévu 1 067 808 euros. Il a été réalisé 450 969,78 euros. Donc il nous restait, voilà, il y avait un reste à réaliser de 52 462 euros. Donc aussi pareil, on est relativement excédentaire sur ce point-là. En fonctionnement des dépenses, donc on avait prévu des dépenses à 1 609 394 euros. Il a été réalisé 904 183,90 euros, avec un zéro en reste à réaliser. Et en recette, il était prévu 1 609 394 euros. Il a été réalisé 1 660 368,61 euros. Et donc aucun reste à réaliser. Donc encore un excédent sur les recettes. Donc le résultat de clôture est largement positif, avec un investissement donc de l'ordre de 133 765,63 euros, et un fonctionnement à 756 154,71 euros. Donc, ce qui nous fait un résultat global de l'année 2020 à 889 950,34 euros. Voilà. Donc voilà, ce compte, donc les comptes de la mairie donc, sont plutôt bien, bien en bon état. Voilà, on peut dire très bien. Après, voilà, c'est effectivement il y a des choses, vous verrez, du coup, quand on va parler du budget, il y a peut-être des choses qu'il faudra voir par rapport à des emprunts que nous avons, mais en tout cas, voilà, pour 2020, au 31 décembre 2020, on va dire que voilà, la commune a un résultat global excédentaire de 889 950. Voilà. Moi, je pars du principe que cette plus-value, elle est issue notamment, bon, comme je vous l'ai dit, de la situation sanitaire actuelle, hein, donc le freinage de projet, mais aussi du fait qu'il y a eu quand même les élections qui sont déroulées, donc forcément il y a eu moins d'ambition de projet, puisqu'il y a eu quand même un changement de, on va dire, de personnes. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, même si on a l'impression que tout va bien, il faut vraiment, je pense, se modérer et profiter, on va dire, de ce confort qu'on a actuellement pour se projeter dans les années qui vont arriver, quoi, puisque les dépenses seront déjà un peu plus importantes, notamment sur si on veut continuer à moderniser notre réseau d'eau et derrière ben, investir dans des projets d'envergure, hein, comme les écoles, hein, ça à noter. Donc, et derrière, voilà, on a aussi quand même des voiries à entretenir et puis aussi un ancien réseau d'eau qui commence à vieillir aussi, qu'il faudra aussi maintenir en état, quoi. Donc c'est pour ça, il ne faut pas négliger ce point. Je tenais juste à le préciser. Donc on va délibérer donc pour compte administratif du budget communal. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Okay, qui s'abstient? Bon, je vous remercie. J'ai une question. Oui, normalement, le maire, il s'est Ah, mais oui, peut-être, oui. C'est une raison. C'est comme ça. Je croyais que c'était de chaque fois, le maire doit délibérer, mais il ne doit pas assister au vote. Donc, c'est qui doit prononcer les paroles, parce que alors là, c'est encore une difficulté. Oui, non, mais tu vois, Et moi, j'étais, je ne sais pas pourquoi j'avais dans le BP. Je croyais que le BP
C'est le CA. Ouais. Voilà, si tu regardes sur les documents, par exemple, que tu as déjà établis, justement, c'est écrit que le maire sort. D'accord. Ah, d'accord. Donc, si vous voulez, je peux sortir et puis on peut refaire. Ah oui, le maire s'est en retiré. Ouais, j'étais persuadée que c'était sur le budget. Donc, eh ben, pour celui-là… Non, mais sinon, on va respecter le protocole. Ouais. Ça ne me dérange pas, je vais me retirer. Voilà. Et puis, on va voter ça. Par contre, du coup, ça sera Liliane ou Jean-Luc qui lui demandait de voter. Non, mais tu vois, et c'est dans ma tête. Non, mais heureusement que tu le dis parce que franchement, ça n'est pas du tout. Parfait. Donc, du coup, Liliane, tu demandes qui est contre, qui s'abstient, qui est contre. Ouais. Donc, est-ce que là, on revote pour les trois budgets, du coup? Si vous voulez, oui, on les revote tous les trois, comme ça, au moins, on est dans les règles. Et on n'a qu'à faire ça à chaque fois, parce que si à chaque fois, il doit sortir pour l'eau, pour Non, en fait, c'est que le compte administratif. Puisqu'après, on va voter le compte de gestion et le compte d'affectation, et ça, il n'y a pas de souci, c'est que le compte administratif. Donc, on va reprendre les trois budgets. On va simplement demander pour les trois budgets qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Et puis, à ce moment-là, on validera les votes comme ça. Donc, je laisse la parole à Liliane, donc troisième adjointe. Non, on n'entend pas Liliane. Liliane, tu t'approches du bureau, du micro, parce que… Oui, mais elle va se mettre à la place d'Olivier. D'accord. Pour les trois budgets, qui est contre, qui s'abstient. Merci, très bien, merci. Oui, comme ça, on est dans les… Non, c'est ça. Non, et dans ma tête, c'était bon. C'est bon, je te remercie. Donc, on peut dire à Olivier de… Alors, le maire s'est retiré. Bon, merci de votre indulgence. C'est le premier pour la municipalité. Alors, on va passer au vote du compte de gestion. Parce que le compte de gestion, du coup, alors, pour vous expliquer, le compte de gestion, c'est en fait si vous voulez, nous, on est en mairie. Du coup, ça m'a troublée. Excusez-moi. Moi, en mairie, donc je suis les comptes, on arrête les comptes. Et le trésorier, lui, en même temps, suit les comptes et arrête des comptes. En fin d'année, on rapproche nos états et on regarde si, justement, nos comptes sont les mêmes. Et du coup, eux, ils appellent ça le compte de gestion. Ce compte de gestion, après, il est assigné et il est validé en préfecture. Donc, voilà, le compte de gestion de la trésorerie, c'est exactement, on va vous rappeler les chiffres, mais c'est des chiffres que donc vous trouverez dans le rapport. C'est celui qui s'appelle Helios. Voilà, c'est celui qui s'appelle Helios. Donc, on va vous rappeler les chiffres, mais ces chiffres-là, à chaque fois, pour le budget de l'eau, pour le budget de l'assainissement et pour le budget principal, ce sont les mêmes chiffres que Olivier vient de vous lire et que vous venez de voter pour le compte administratif de chaque budget. 34 du rapport. Ton rapport, c'est pas 34. Oui. Je suis en train de chercher l'autre. Tu peux commencer déjà. Donc là, tu as le long de Saint-Laurent, tu vois. 2020. Donc alors, concernant les résultats d'exécution du budget principal et des budgets. Les services non personnalisés. Donc, nous avons, concernant l'eau de Saint-Laurent-Royan, un investissement en 2019 de 68 235,23 euros.
En résultat de l'exercice en 2020, on est à 6 252,46 €. Et en résultat de clôture, donc de l'exercice 2020, on est à 74 487,71 €. Voilà. Donc c'est le. Donc c'est ce qu'on retrouve en résultat de clôture, voilà, sur le compte administratif que l'on vient de voter. Voilà. Ensuite, en fonctionnement, on était à 40 948,24 € pour le résultat de la clôture de l'exercice 2019. Résultat de l'exercice 2020, on est à 13 787,60 €. Et ça nous donne un résultat de clôture de l'exercice 2020 à 54 735,84 €. Donc, en sous-total, concernant le résultat de la clôture de l'exercice 2019, donc c'est l'addition, simplement, on est à 109 183,47 €. Un résultat de l'exercice 2020 à 20 040,08 €. Et un résultat de clôture de l'exercice 2020 à 129 223,55 €. Donc, ce qui nous fait après, ben, de toute façon, là, on est. Là, je n'ai pas bien saisi ce calcul, mais. Parce qu'en fait, on a, nous, comme on n'a qu'un seul, on a qu'un seul encart, c'est, en, voilà, c'est le résultat. Donc, parce que les deux lignes, en fait, sont ni plus ni moins des lignes paramétrées sur les totales qui sont vides. Donc, forcément, c'est bien. Oui. Ah oui, oui. Ouais, c'est vrai que, bon, après, ceux qui ont été présents lors de la commission finance, ils ont eu tout le détail expliqué par le percepteur. Donc, après, bon, pour les personnes qui n'étaient pas là, c'est sûr que c'est un peu complexe d'avoir des chiffres bruts d'un seul coup assemblés. Mais... Voilà. D'ailleurs, le percepteur s'excuse parce qu'il aurait dû venir en principe ce soir, mais il avait oublié qu'il avait aussi un autre conseil sur lequel il s'était déjà engagé dans une autre commune. Okay. Donc voilà, c'est sorti Elios et c'est exactement les mêmes chiffres que nous avons. Ok, donc concernant l'assainissement maintenant, donc sur les résultats au niveau. Alors, sur les recettes, donc section investissement. Oui, je pense que ce sera plus simple parce que moi, on englobe toutes les choses. Donc, les investissements, nous avons en résultat à la clôture de l'exercice précédent 2019, 83 617,72 €. Un résultat de l'exercice 2020 à -119 297,87 €. Et donc, un résultat de clôture de l'exercice 2020 à -35 680,15 €. En fonctionnement, un résultat à la clôture de l'exercice 2019 à 50 517,01 €. Et un investissement de 30 750,28 €. Un résultat de l'exercice 2020 à 35 852,09 €. Et un résultat de clôture de l'exercice 2020 à 55 618,82 €. Donc, ce qui nous fait un sous-total, donc, ou un total, on peut dire, puisqu'on n'a pas cette ligne, donc de 134 134,73 € pour le résultat de clôture de l'exercice 2019. Après, pardon, j'ai dû louper un truc parce qu'il y avait la part affectée aussi à l'investissement 2010, l'investissement. 2020, ouais. J'avais oublié cette petite partie-là. Donc, sur le fonctionnement, en fait, il y avait une colonne que j'ai dû omettre, qui est la part affectée à l'investissement de l'exercice 2020, qui est de l'ordre de 30 750,28 €. Donc, je ne sais pas si vous suivez cette petite copie que j'ai faite. Ouais. Voilà. Oui, après, de toute façon, c'est des choses compliquées. Hein. Ouais, c'est sûr que là, en fait, voilà, il y avait un investissement qui a été réalisé
pour l'exercice 2020 de 30 750,28 €. Donc, ce qui nous fait un total donc, ben, de 30 750,28 € sur la part affectée à l'investissement 2020. Un résultat de l'exercice 2020 donc, de moins 83 445,78 €. Et un résultat de clôture de l'exercice 2020 à 19 938,67 €. On retrouve voilà. Dans le résultat global du vote compte administratif. Hein. Voilà. Ouais. Chaque fois, vous rapportez au compte administratif 2020 et les chiffres que vous donnez au niveau du nom de gestion, ben, vous les retrouvez à chaque fois sur le compte administratif qu'on voilà. Vient de voter. 19 938,67 €, vous devez les retrouver en principe sur le tableau du compte administratif. Donc, il se retrouve à la dernière ligne, résultat et clôture de l'exercice du compte administratif de l'assainissement. Ok. Voilà. Et donc, du coup, on passe au budget global, au budget principal, budget de gestion. Tu dois avoir la fin. Moi, j'avais. Ça, c'est celui de l'assainissement. Ça, c'est celui de l'eau. Voilà. Okay. Donc, tu as. Et... celui-ci. Le principal. Ouais, parce qu'il y a déjà fait. Ça marche. Le reste, tu l'as. Ouais. Ok. Et donc, on va passer au budget principal de la commune. Donc, alors. En budget principal, en investissement, on avait moins 196 000,035 € au résultat de clôture de l'exercice 2019. Et on a eu un résultat de l'exercice 2020 à 329 800,99 €. Et donc un résultat de clôture de l'exercice 2020 de 133 765,63 €. En fonctionnement, simplement, c'est détaillé. Voilà. Là, ça, c'est un excédent. Oui. Ouais. OK. Ça, c'est un excédent de… C'est un déficit qu'on avait reporté ouais, ouais. En 2019. Malgré qu'on ait fait ça en 2020, ben, on est plongé du déficit et reste ouais. Ça. Non, mais ça, c'est la soustraction de… Ouais. Au niveau du fonctionnement, on avait un résultat à la clôture de l'exercice 2019 de 635 277,04 €. On avait une part affectée à l'investissement de l'exercice 2020 de 132 999,36 €. Un résultat de l'exercice 2020 de 253 907,03 €, ce qui nous donne un résultat de clôture de l'exercice 2020 de 756 184,71 €. Donc un total au global. Donc sur les résultats à la clôture de l'exercice 2019 de 439 241,68 €. Une part affectée à l'investissement sur l'exercice 2020 de 132 999,36 €. Un résultat de l'exercice 2020 à 583 708,02 €. Et ce qui nous donne à la fin un résultat de clôture de l'exercice 2020 à 889 950,34 €. Ça, c'est sur les trois budgets. Oui, donc ça, c'est au total. Oui, voilà. C'est l'exercice. Voilà. Sur les trois budgets, si on cumule tous les budgets entre eux, hein, donc les trois budgets, assainissement, eau et communes, on a 682 €, si on additionne tous ces excédents, ça nous fait 1 039 112,56 €. Donc ça, c'est sur les résultats de clôture totale. Ouais, donc tu nous as délibéré, donc qui est contre ? Pour les trois budgets, hein, ouais, je fais. Pour les trois budgets, qui est contre ? Okay, et qui s'abstient ? Je vous remercie. Là, nous allons passer, comme je l'ai mis, à l'affectation des résultats. En fait, là, on vient de le voir, hein, vous avez voté le compte administratif. Et donc, du coup, on a des résultats
Olivier vous l'a dit, les résultats de clôture. Ces résultats, on va devoir les affecter sur le budget 2021, puisqu'un budget doit être toujours équilibré, donc il faut qu'on tienne compte des résultats de chaque année. Voilà, donc là, vous allez passer au vote des affectations des résultats. Voilà, donc on va passer aux affectations des résultats, parce qu'une fois que vous aurez voté ça, ça nous permet de construire en fait le budget et de valider le budget. Donc pour le service de l'eau, c'est les affectations de résultats. Donc voilà, l'excédent de fonctionnement, l'excédent reporté de l'année dernière. Voilà, un excédent cumulé comme ça, d'excédent d'investissement, il n'y avait pas d'excédent l'année dernière, un excédent de financement comme ça. Et donc, du coup, ce montant-là qu'on peut reporter. Ouais, ok. Donc, alors, sur les résultats, donc sur les affectations des résultats 2020, on a un excédent de fonctionnement de 13 787,60 €. Un excédent reporté de 40 948,24 €, soit un excédent de fonctionnement cumulé de 54 735,84 €. Un excédent d'investissement de 74 487,71 €, avec un déficit des restes à réaliser nul, soit un excédent de financement de 74 487,71 €. Donc le là, résultat ça nous fait, reporté, ouais, ça nous fait, voilà. Affecté, c'est celui-ci. Donc le résultat à reporter affecté est de 74 487,71 €. Ensuite, l'assainissement. Là, c'était sur l'eau. Concernant l'assainissement, nous avons un excédent de fonctionnement de 35 852,09 €, avec un excédent reporté de 19 766,73 €, soit un excédent de fonctionnement cumulé de 55 618,82 €, avec un déficit d'investissement de 35 680,15 €, un excédent des restes à réaliser de 17 132 €. Donc, et un besoin de financement de 18 548,15 €. Donc, ce qui nous fait à la fin un résultat d'investissement reporté donc de 35 680,15 €. Celui de la commune. Donc, alors, pour l'affectation des résultats 2020 sur le budget de la commune, on a un excédent de fonctionnement de 253 907,03 €. Un excédent reporté de 502 277,68 €. Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 756 184,071 €. Donc un excédent d'investissement de 133 765,63 €. Un déficit des restes à réaliser de 67 108 €. Soit un excédent de financement de 66 657,63 €. Donc, cela nous donne un résultat d'investissement reporté en excédent donc de 133 765,63 €. Donc, on va délibérer. Donc, sur les affectations, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Exposer simplement pour le budget. Parce que là, j'ai pas le fichier, je peux pas l'ouvrir. De leur exposer les inscriptions budgétaires. Ah oui, qu'on a prévu. Ouais. Donc là, on va basculer sur le budget prévisionnel 2021. Donc là, comme je peux pas prendre mon PC, je vais récupérer. C'est vraiment...
Ok. Ok. Donc, tout le monde m'entend, c'est bon, parce que là, j'ai un PC entre les micros et moi. Alors, pour le budget prévisionnel, ce qui a été prévu au niveau des charges à caractère général, on a budgété 54 936 euros. Donc, pour diverses raisons. Donc, en priorité, je pense que je vais pas vous détailler tout l'ensemble des livres, parce que je pense que personne n'arrivera à suivre. Mais principalement, c'est sur les. Donc là, c'est les 25 936 qui correspondent. Alors, en fait, l'année dernière, le budget était à 28 350. On a effectivement grossi la ligne d'équilibre. En fait, ouais. Ça a augmenté parce qu'on a équilibré le budget, en fait. Comme on avait un excédent, on a mis… Plutôt que faire, on va dire, un emprunt ou avoir des résultats, on va dire, à zéro, on a préféré ponctionner une partie de l'excédent qu'on a eu sur le budget communal pour l'injecter dans le budget haut. Donc, c'est pour ça qu'on a eu… une ligne d'équilibre prévue de l'ordre de 25 936 qui correspondrait aux travaux à réaliser sur… Non, c'est non, pas… Ça, c'était sur le CA. Là, c'est que normalement, quand on a un excédent de financier, logiquement, cet excédent, on peut le passer du budget de fonctionnement au budget d'investissement. Voilà. Là, on n'a pas passé l'intégralité de l'excédent sur le budget d'investissement. On a passé une partie sur le budget d'investissement. Et le virement à la section d'investissement, on ne l'a mis que de 30 000 euros sur les 54 000 et quelques que nous avions à l'affecter. On a mis 30 000 euros qui sont restés sur la section, on bascule sur la section investissement. Et le reste, les 25 936, on le laisse sous la section fonctionnement, justement, comme le disait Olivier, pour se prévoir une marge au cas où on aurait des travaux. Voilà, on les a quand même en fonctionnement. Voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu plus important, cette ligne de charge à caractère général, cette année par rapport à l'année dernière. Donc après, sur les charges de personnel et frais assimilés, donc là, on a la même somme que l'année dernière, on est sur l'ordre de 15 000 euros. L'atténuation de produits. C'est la redevance de l'agence de l'eau, on a un petit peu diminué. Ouais. Donc au niveau de la redevance de l'agence de l'eau, on est à 17 000 parce qu'avant, elle était à 20 000. Autre charge de gestion courante, donc on avait prévu 2 510 euros. Charge financière 1965 euros. Ouais. Donc, c'est pas la bonne souris. On va y aller. Hop. En charge exceptionnelle, on avait prévu 50 euros. Dotation aux provisions 1 600 euros, donc ça c'est pour les impayés, je crois, des factures, voilà. Des factures d'eau. On a l'obligation de prévoir une partie du budget en risque financier, on va dire. On provisionne pour les factures, donc on regarde au niveau des factures d'eau supérieures à 2 ans les gens qui n'ont pas payé, on en prend un certain pourcentage et on provisionne le pourcentage. Pour, ben voilà, pour dire que ben, si jamais ils ne payent pas, on aura provisionné ça. Alors, comme son nom l'indique, c'est une provision. Donc, si sur l'année, ça n'a pas été utilisé, eh bien, ça sera basculé. Voilà. Et sur les années précédentes, il n'y avait pas ça? Non. Alors, il y a deux choses différentes. C'est qu'on on a les créances. Dans les autres charges de gestion courante, sur le 65, on a les créances. On a les créances admises en non-valeur ou des créances éteintes. Donc, les admissions en non-valeur, c'est à un moment donné, on regarde parce que la trésorerie fait des poursuites. Et puis, il y a des cas pour lesquels les poursuites sont difficiles parce qu'elles n'aboutissent pas, parce que ben, les gens sont insolvables ou on n'arrive pas à retrouver d'adresse. Ou voilà. Alors, ça ne veut pas dire que l'argent ne va pas rentrer.
parce que la trésorerie va continuer ses poursuites. Mais non, ça veut dire qu'au niveau de la, du budget, il faut qu'on fasse une écriture qui nous enlève cette somme-là. Voilà. OK. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne les rentrera pas plus tard. Par contre, une créance éteinte, on en budgète parce que là, c'est dans l'hypothèse où une personne ait fait un dossier de surendettement. Les créances sont totalement annulées. À ce moment-là, on doit venir les passer sur cette ligne-là. Et puis, cette année, on a eu, donc c'est au niveau de la trésorerie, c'est la DGFiP, hein, c'est au niveau national, on doit, dans notre budget, provisionner une somme pour les factures qui sont impayées de plus de 2 ans. Voilà. Donc, le trésorier nous a fait créer un petit peu cette dotation ou provision à risque, sachant que, comme je l'ai expliqué, si jamais il n'y a pas de souci cette année, ben, on provisionne pour l'année prochaine et voilà. OK. Merci. Un peu au niveau du virement à la section d'investissement, c'est les fameux 30 000 euros que vous avez expliqué, Christelle. Hein. L'opération d'ordre de transfert entre sections. Donc ça, c'est des écritures d'ordre. Ouais. Voilà. Ce qu'il faut retenir en fait sur ce budget, par exemple pour les 30 000 euros, même si on les bascule à la section investissement, ça ne veut pas dire qu'ils sont bloqués à la section investissement et qu'on ne pourra plus rien en faire ni les remettre au fonctionnement à un moment donné. Il faut savoir que dans un budget, on a des écritures réelles, c'est-à-dire des écritures que vraiment on va être amené à faire fluctuer d'un côté comme de l'autre, en dépenses ou en recettes. Et puis, il y a des écritures qu'on appelle des écritures d'ordre qui sont plutôt vraiment liées au niveau budgétaire, à la trésorerie. Les amortissements, par exemple, on appelle ça des écritures d'ordre parce que ça n'impacte pas, c'est pas de l'argent qu'on rentre, qu'on sort. Il faut un petit peu le comprendre comme ça. Ce qu'il faut retenir sur ce budget d'eau, c'est que l'année dernière, on avait un budget à 126 963 euros et que cette année, on a un budget à 142 761. Donc, les fameux 20 000, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on n'a pas tout basculé à la section. Cette année, on n'a pas basculé les 50 000 à la section investissement, mais on en a gardé un petit peu au fonctionnement. Donc, ça fait la différence entre les 120 et les 140. Donc, c'est un budget qui est constant. Hein, il n'y a pas de grosses dépenses de prévues. Simplement, voilà, c'est 26 000. Ils viennent là, comme je vous le disais tout à l'heure. Il suffit qu'on ait un problème de casse sur une conduite d'eau ou changer. Enfin, voilà, on a cette petite enveloppe qu'on a vue tout à l'heure dans les 26 000 qui nous permet de pallier aux difficultés de fonctionnement. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Pour ceux pour qui c'est vraiment très nouveau, il faut savoir qu'un budget d'une collectivité, un budget doit être voté une fois, il est unique et il est voté pour l'année. Voilà, et il doit être équilibré. Il doit être équilibré en dépenses comme en recettes. Voilà. Donc là, on vient d'aborder les dépenses de fonctionnement. On va aborder les recettes de fonctionnement. Pareillement, pour faire la différence entre l'investissement et le fonctionnement, alors ça va être très schématique, ça va être très pragmatique. Un investissement, ça va être de l'argent qu'on va apporter pour enrichir quelque chose. On va investir, par exemple, dans une nouvelle conduite d'eau, dans l'achat d'un véhicule. Ça, c'est de l'investissement. Des mobiliers pour l'école, voilà, ça, c'est de l'investissement. Et le fonctionnement, c'est ce qui nous sert à fonctionner, comme son nom l'indique, au quotidien. Voilà. Donc, chaque section, on appelle ça des sections, chaque section doit être équilibrée, autant bien en fonctionnement qu'en investissement. Donc là, on vient de voir les dépenses de fonctionnement. Et donc, Olivier va maintenant vous parler des recettes de fonctionnement, puisque pour 1 euro dépensé, on doit avoir 1 euro de recettes. Concernant les recettes de fonctionnement, alors sur le chapitre vente de produits finis, prestations de services, donc on a prévu 84 700
4 700 euros. Putain, j'arrive plus à parler. 84 700 euros. Oh, punaise, j'en peux plus de ces chiffres là. Ça, et donc, bon. Dedans, il y a une partie donc, qui concerne les factures d'eau. Voilà. C'est ça. Après, nous avons sur les autres produits de gestion courante, ben, 10 euros. Ça, c'est des régulations de TVA. Donc, voilà. Un excédent de fonctionnement reporté de 54 000 euros et 736. Voilà. Et donc, une opération d'ordre de transfert entre sections de 3 315 euros. Voilà, vous pouvez le remarquer également, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le total est bien à 142 766 euros. Alors, et puis, gardez bien en tête que c'est un budget prévisionnel. C'est-à-dire qu'on prévoit des dépenses, mais ça ne veut pas dire qu'on va les faire. On prévoit d'avoir des recettes. Mais ça ne veut pas dire qu'on les aura. Alors, on ne prévoit pas. Après, on ne prévoit pas effectivement d'avoir des recettes qu'on est sûr de ne pas avoir. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but parce que ça nous mettrait en difficulté sur le budget. Mais par exemple, quand on vous dit qu'on prévoit de rentrer 84 700 euros de recettes, c'est ce qu'on prévoit de rentrer en facture d'eau. Voilà. Alors, ça peut être à quelques euros près. Hein, voilà. Mais. Concrètement, je vais avoir prévu 60 000 euros pour mon budget, soit bien clair, dans la facture d'eau sur une part, et puis je vais rentrer 59 170 euros, par exemple. Voilà. Sachez que voilà, on doit équilibrer un budget, mais on prévoit aussi de rentrer des recettes qui sont réalisables. Hein. On ne va pas préjuger d'avoir des recettes à 120 000 euros si on est sûr de ne pas en rentrer. Hein. Okay. C'est bon pour voilà. la partie recette, sur investissement. Donc, sur la partie investissement, donc on a un chapitre emprunt et dette assimilée qu'on a estimé à 10 625 euros. Donc, en fait, c'est capitaux des prêts. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir en investissement, on rembourse les capitaux des prêts. Donc, comme on connaît les prêts, on sait qu'on a cette dépense-là à prévoir. Après, on a une immobilisation corporelle de 1 000 euros. Voilà, c'est en fonction des achats qu'on pourrait faire. Une immobilisation en cours de 109 246 euros. Alors, ça, c'est pareil, c'est pour équilibrer le budget. Une opération d'ordre de transfert entre sections de 3 315 euros. Et ça, c'est ce que je vous disais, c'est une écriture d'ordre. Donc, voilà. Ce qui nous fait un total général des dépenses d'investissement de 124 188 euros. On était en dépenses d'investissement l'année dernière, nous étions à 127 898 euros. Donc, vous voyez, voilà. Ça reste, voilà, ça reste vraiment sensiblement la même chose. Hein. Et donc, en recette d'investissement, alors un excédent d'investissement reporté de 64 488 euros, un virement de la section de fonctionnement de 30 000 euros, une opération d'ordre de transfert entre sections de 19 700 euros. Voilà. Ça, c'est les amortissements, voilà. Donc, en recette d'investissement, on retrouve notre fameux excédent reporté, voilà, hein, ce qu'on avait en excédent sur l'année dernière, notre solde d'investissement. On le retrouve là, on retrouve les 30 000 euros que vous avez vus en dépenses de fonctionnement. Quand je vous ai dit on verse 30 000 euros à la section d'investissement, ben, vous les retrouvez là. Et puis, les fameuses écritures d'ordre, toujours les mêmes, hein, qui sont liées à des amortissements de biens, voilà, qu'on prévoit. Puisque quand on investit dans quelque chose, que ce soit un véhicule, un logiciel, peu importe, on amortit le bien que l'on achète. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? D'accord.
je pense, délibérer là pour la, la oui, partie. Oui, tu peux voter le okay. VP. Allez. Donc, qui s'oppose? Qui s'abstient? Ben, merci. Ouais. Alors là, c'est sur quel onglet, toi? Un fichier. Oui, ouais, c'est bon, ça me va très bien. Je préfère les tableaux qui roulent. Alors, concernant les dépenses de fonctionnement, alors sur le budget prévisionnel au niveau du budget assainissement, on a prévu des charges à caractère général de 14 800 euros. Une atténuation de produits de 9 000 euros. Des autres charges de gestion courante de 106 000 euros. Donc avec, sur les 106 000 euros, il faut savoir qu'il y a quand même la cotisation au SMABLA là, qui est de 102 000 euros. Hein, donc ça représente la quasi-totalité de la gestion courante. Des charges financières de 13 835 euros. Ouais, qui correspondent à nos intérêts de prêt. Une dotation de provision de 5 700 euros. Donc ça, c'est pour les impayés de facture hein, qui sont inférieurs à 2 ans. Ouais. Le virement à la section d'investissement, donc, de la même manière que, la, que l'autre budget, donc, de 31 191 euros. Une opération d'ordre de transfert entre sections de 42 354 euros. Donc, il nous fait un total général de dépenses de fonctionnement de 222 880 euros. L'année dernière, nous étions à 229 878. Voilà. Voilà. Vous voyez qu'on reste quand même dans des budgets sensiblement les mêmes et maîtrisés de la même façon. Oui. On avait pris deux. Recettes de fonctionnement, on a des ventes de produits finis, donc prestations de services qui ont été évaluées à 162 500 euros pour l'année 2021. Un excédent de fonctionnement reporté de 37 071 euros. Et des opérations d'ordre de transfert entre sections de 23 309 euros. Donc, ce qui nous fait un total général de recettes de fonctionnement de 222 880 euros. Donc, en 2019, c'était la même chose, 229 878, puisque les budgets sont équilibrés. Comme vous pouvez le voir, hein, que ce soit sur le budget d'eau et d'assainissement, bon, ça sera différent pour le budget principal, hein, mais pour l'eau et l'assainissement, les recettes que nous avons sont spécifiquement les factures, la facturation. Voilà. On n'a pas de subvention ni pour l'agence de l'eau, ni voilà. Hein, c'est vraiment lié à nos factures. En dépenses d'investissement maintenant, on a un déficit d'investissement reporté de 35 680 euros, des emprunts et dettes assimilées de 28 451 euros, les immobilisations incorporel nul. Une immobilisation en cours de 63 785 euros. Des opérations d'ordre de transfert entre sections de 23 309 euros. Donc, ce qui nous fait un total général de dépenses d'investissement de 151 225 euros. Alors, l'année dernière, nous étions à 274 779 euros, d'où une grosse différence. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, nous avions prévu les travaux des combes, la mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales. Donc, c'était un investissement, puisqu'on investit sur le réseau. Et donc, du coup, on avait prévu beaucoup plus de dépenses. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Cette année, il n'y a pas de travaux prévus. Donc, c'est pour ça qu'il y a un décalage. Et en recette d'investissement,
Donc, cela nous fait donc en dotation et fonds divers et réserves, donc 18 548 euros. Des subventions d'investissement reçues de 59 132 euros. Un virement de la section de fonctionnement de 31 191 euros. Des opérations d'ordre de transfert entre sections de 42 354 euros. Ce qui nous fait un total général de recettes d'investissement de 151 225 euros. Alors là, c'est pareil. Vous regarderez à la, donc pour les subventions d'investissement reçues. Ben la subvention, qui, les 59 132 euros, ce sont les subventions qui nous restent à percevoir des collectivités qui nous ont aidés, subventionnés pour les travaux d'assainissement. Voilà. C'est des subventions qu'on avait prévues, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on appelle le reste à réaliser. Ce sont des subventions que nous avions prévues de percevoir en 2020. Bon, après, il faut avoir les justificatifs de toutes les factures pour les percevoir. Sur 2020, ça ne s'est pas fait, donc on va le faire sur 2021. Donc, on a transféré ce qui nous restait à réaliser en recette sur l'exercice 2021. Ça aurait dû être meilleur en 2020. Ben, c'est-à-dire qu'il faut que les travaux soient totalement finis pour pouvoir envoyer les dossiers et toucher les subventions. Or, parce qu'il faut savoir qu'on a des subventions là, par exemple, cette somme-là, elle est aussi, c'est des subventions qui vont arriver du conseil départemental et de l'État. Alors, de l'État, on appelle ça la DETR, et cette subvention-là, elle écrète toutes les autres. Il faut que la commune ait 20% à sa charge. Donc, il faut d'abord qu'on ait perçu toutes les subventions par ailleurs, qu'on monte le dossier pour dire exactement ce qu'on a touché à l'État et l'État nous donne le reste à percevoir pour arriver à 80%. C'est pour ça qu'il y a toujours un décalage entre l'année de réalisation des travaux et l'année où on perçoit la subvention qu'ils avaient, sauf si on a un versement par anticipation. Si on avait des gros projets à 2 millions d'euros, ils n'attendent pas la fin des travaux, ils nous font des acomptes de subventions pour nous aider dans la réalisation des projets. Voilà pour le DP, côté assainissement. Donc on va délibérer. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Sur le budget de la commune. Ouais. 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 Olivier, il y a Pascaline qui m'a envoyé un message, elle a été déconnectée. Ah oui, attendez, je vais juste accepter. Il y a Pascaline qui est là. Ouais. Est-ce que tu peux l'accepter? C'est bon, je viens de le faire. C'est vrai qu'on n'a pas les yeux sur le. Ouais. Merci. Merci. Je pense qu'ils ont des problèmes de réseau. Ouais, désolé, merci. Non, et bienvenue, Pascaline. Merci. On continue sur le BP du budget communal. Alors, en emprunt et dette assimilée, en investissement des dépenses, donc on a prévu 194 980 euros. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Pardon, on va commencer par ça. Ouais, on va commencer par les dépenses de fonctionnement. Ouais. Alors, donc, sur les charges à caractère général, on a prévu 600 832 euros. Donc, ça, c'est pour, on va dire… J'interviens de suite avant que les questions se posent, puisque l'année dernière, nous étions à 323 830 euros. Alors, si vous allez sur l'article, si vous allez dans les charges à caractère général, vous verrez que sous le compte 61, on a augmenté. On était à 126 800 euros et le 61, ben, il passe bien au-delà. Je ne sais pas, on n'a pas cumulé. Mais pourquoi ? Ben, parce qu'on a fait la même chose que sur les autres budgets. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'excédents
Et au lieu de mettre la totalité sur l'investissement, on en a gardé une partie qu'on a mis sur le fonctionnement au cas où on ait besoin. Eh ben, on a l'argent qui est libre là. Voilà. Donc, c'est pour ça hein, qu'on passe de 300 000 à 600 000. Hein. C'est simplement parce que l'argent qu'on a eu en plus, on l'a placé là-dessus. Voilà, l'excédent qu'on a eu l'année dernière, on l'a placé là-dessus. Ça n'est absolument pas lié à des dépenses qu'on va faire, voilà, hein, qu'on a prévu de faire le double de l'année dernière. Non, non, ça n'est pas le cas. On reste dans les normes. Donc après, c'est sur les gros encas sur ce budget. Donc, sur les charges de personnel. Ouais. Donc, sur les charges de personnel et frais assimilés, on est à 519 500 euros. Les atténuations de produits à 47 355 euros. Les autres charges de gestion courante à 96 000 euros. Les charges financières à 21 340 euros. Les charges exceptionnelles à 1 000 euros. Là, il y a deux encarts à charges exceptionnelles. Ça, c'est là où il y a d'ailleurs, c'est pour les titres annulés. Oui. Et l'autre, c'est pour les dotations en provision. Oui. D'accord. Donc, 1 350 euros. Après, on a les dépenses imprévues de 50 000 euros, les autres charges de gestion courante de 500 000 euros. Ça, c'est le virement. C'est le fameux virement de 500 000 euros. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais, on avait à peu près 700 et quelques mille, je ne sais plus, hein, d'excédents. Eh bien, on bascule 500 000 euros à la section d'investissement et les 200 et quelques mille, on les garde sur la section de fonctionnement. Après, l'opération d'ordre de transfert entre sections de 30 243 euros. Voilà, donc ça nous fait un total général des dépenses de fonctionnement de 1 867 620 euros. L'année dernière, nous étions à 1 609 314, donc il y a 200 et quelques mille de plus, mais comme je vous le disais, ces 200 et quelques mille, c'est ce qu'on a retrouvé dans le premier paragraphe de charges à caractère général. Donc, vous pourrez constater que le budget de la commune en dépenses de fonctionnement pour cette année est sensiblement le même que celui de l'année dernière. Okay. Sur les recettes de fonctionnement. Hop. De quoi, hein ? Il va falloir qu'on s'explique notamment sur les, ouais. Les fiscalités. Ça marche. Ouais, ok. Au niveau des atténuations de charges, donc on est à 15 000 euros. Sur les produits de services, domaines et ventes diverses, on est à 95 880 euros. Donc là, c'est notamment dû à la vente des parcelles hein, sur le bois. Mm-hmm. Sur les impôts et taxes, alors là, je pense qu'on peut faire un petit passage pour détailler un peu cette somme, hein, puisqu'elle est de 480 000 euros. Donc ça, c'est suite aux réformes dernièrement là, de la fin de la taxe d'habitation, où je pense que Nancy, tu vas encore retrouver le même dialogue qu'on a eu 20 fois. C'est pas tout à fait le même. Ouais, c'est vrai. Vous, c'est le département. Voilà. Bah, nous, oui. C'est le département. Voilà, nous, sur la CCRV, c'est la TVA. Donc, avant, il y avait une taxe donc, d'habitation qui était payée par les habitants de Saint-Laurent-Royan, qui était directement transférée, donc une partie à la CCRV, une partie à la commune. Et puis, il y avait aussi le département qui prenait une part. Donc, depuis qu'il n'y a plus de taxe d'habitation, donc, pour compenser le manque sur les communes, l'État a décidé de verser donc déjà la part du département directement sur la commune, que la Comcom donnait aussi sa part à la commune et qu'elle serait revalorisée sous forme de TVA. Donc là-dessus, ça ne change rien pour les communes puisque ça sera transparent sur ça. Par contre, ça veut dire qu'on a on va dire pas des recettes, on va dire, mais plus des
des taxes qui vont venir fluctuer dans nos budgets plus importants, puisqu'on aura la part du département et de la CCRV. Donc, parce qu'il faudra qu'on voit plus tôt. Oui. En même temps, chaque année, donc ouais, c'était 12 et quelques. 15. Nous, on a 10, ouais. 24. Et eux, ils étaient à 15. Il faut rajouter 15 et quelques. Oui, alors pour vous préciser, donc comme le disait Olivier, il faut savoir qu'au niveau du budget de la commune en recettes, on a aussi précisément hein, plus la moitié de notre budget est lié aux dotations de l'État et aux recettes fiscales. Et donc ces recettes fiscales, elles sont modifiées cette année liées à la disparition donc, de la taxe d'habitation. Et ce qu'on perd, nous, la part communale, comme le disait Olivier, va être compensée par la part départementale. Donc, du coup, nous sommes obligés, chaque année, nous votons les taux d'imposition sur la commune. Donc, cette année, nous sommes obligés de voter des taux différents, c'est-à-dire que cette année, nous ne voterons pas le taux de la taxe d'habitation, puisque ça n'existe plus. Voilà. Donc, nous, la commune de Saint-Laurent a fait le choix de ne pas augmenter les impôts locaux et de laisser les taxes du foncier bâti et non bâti au même taux que d'habitude. Par contre, sur la taxe du foncier bâti, va venir se greffer la taxe de... Pour vous, ça ne changera rien, on va dire, en termes de contribution. Le contribuable paiera la même chose, ne paiera pas plus. Et c'est nous, la façon dont on va dispatcher la taxe d'habitation qui sera différente. Voilà. Donc pour une petite parenthèse que m'avait dit, elle m'avait expliqué le percepteur, et je pense que c'est bien un peu de savoir, c'est que toutes les communes qui, pendant la diminution des taxes d'habitation n'ont pas joué le jeu et ont augmenté les taxes d'habitation, vont se retrouver avec donc un transfert de la partie départementale qui, elle, a été indexée avant la réforme. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir moins que ce qu'ils recevaient avant. Nous, étant donné qu'on n'avait pas touché, qu'il avait été décidé à l'époque de ne pas toucher la taxe d'habitation, c'est pour ça que nous, ça ne changera rien du tout en termes de rentrée d'argent. Ils avaient exposé leur temps pour se dire voilà. Oui, pour avoir une perte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le département, même s'il touchait plus que nous compensera du montant de la perte. Donc, si on avait touché plus, ben, il y avait une compensation. Si on touche moins, ben, il y a une perte. Donc, c'est vrai que. Alors, j'essaie juste de trouver. Les taux, on les votera peut-être après. Ça fait moins de recettes. Pour les communes aussi, je pense qu'à partir de 2023, les logements vacants et les maisons secondaires. Ils sont toujours assujettis à la taxe d'habitation. Là, on votera du coup un taux de taxe d'habitation. Là, pour le moment, c'est sur le taux de 2017. Pour ceux qui n'ont pas entendu, parce que c'est vrai que mon micro est assez orienté vers moi, c'est disait Nancy, c'est juste. Hein, c'est-à-dire que toutes les taxes d'habitation des maisons secondaires, elles sont maintenues. Et donc, c'est encore aussi un complément qui sera attribué. Ce qu'on peut voter en taxe d'habitation, par contre, c'est les taxes d'habitation des maisons secondaires. À partir de 2023, oui, tout à fait. Et logements vacants aussi. Ouais. Voilà. Après, je vais continuer pendant que vous allez aller chercher. Donc, sur les dotations, subventions et participations, donc on a chiffré 468 000 euros
468 155 euros. Je crois qu'elle a plus. Olivier, t'es où là? Excuse-moi, j'arrive pas à suivre. Ah, ça y est, c'est bon, je vais prendre le palais. T'es où là? Hein? T'es où? Sur quel budget là? Alors là, je suis sur les recettes de fonctionnement. Général. D'accord. Okay. Sur la ligne, là, on avait passé la ligne 73 sur les impôts et on est sur la ligne, sur l'encart 174. Là, 74, pardon, sur les dotations, subventions et participations. D'accord. C'est bon, j'ai raccroché. Après, je continue. Donc, oh là là. Hop. Désolé, ma souris est un peu lente. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je pense qu'il n'y a plus de pile. Oh là là. Ouais, mais même avec le pad, en fait. C'est... Ah bon, voilà, c'est là. Ouais. J'espère qu'il ne va pas nous lâcher. Je crois qu'il allait chercher la batterie. Ok. Après, en autre produit de gestion courante, donc on a 34 000 euros. En produit financier, donc on en a. Pas prévu ni exceptionnel. On a un excédent de fonctionnement reporté de 756 185 euros et une opération d'ordre de transfert entre sections de 18 400 euros. Donc, ce qui nous fait un total général des recettes de fonctionnement de 1 867 620 euros. Donc ça, c'est pour le fonctionnement. On va passer aux investissements. Donc sur l'investissement maintenant, donc les dépenses d'investissement en emprunt et dette assimilée, on a prévu 184 980 euros. Alors là, du coup, ça c'est. On a prévu 194 980 euros. Oui, excusez-moi. Oui, alors. Pardon, excuse-moi. Parce que j'avais. C'était juste donc, là, tu peux expliquer. C'est sur l'emprunt, c'est... là. Voilà. Ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est... Donc, ça, c'est pour l'année dernière, on était à 60 000. Ouais. Ouais, là, nous... c'est tu décales. Ouais, attends, décales. Là, la souris, elle est. Regarde, tu vois, je bouge. Elle est HS. Quand ça va être l'année, il y a ça d'annuité et ça de remboursement. D'accord, ouais. Ouais, parce que comme. Alors là. Ça, c'est donc ça, la somme, elle est différente de ce qui avait été budgété l'année dernière. Parce qu'en fait, on a l'annuité normale et aussi on a un remboursement de crédit. Donc, ça, c'est un crédit qui a été mis en place à l'époque, je pense, de la ludothèque, qui était de l'ordre de 150 000, qui a été amorti au fil de l'eau. Et derrière, ben, on a toujours cet emprunt qui était toujours actif. Et comme on est en excédent, pour valoriser notre CAF, en fait, on a préféré le racheter. Pour que, bon, c'est sûr, ça nous fera des. Alors, je ne suis pas rentrée exactement, mais disons que de toute façon, il y a une loi par rapport aux annuités, ouais, ben, c'est aux ça, frais d'intérêt. Ouais. Les intérêts, c'est six mois sur les. Alors après, sur les crédits consommateurs, après, peut-être que là on attend les réponses sur les crédits publics. Il peut avoir des nuances. Alors, excuse-moi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, normalement, sur le capital, on doit rembourser 70 000 euros. Cette année, effectivement, on a prévu 125 000 euros de plus, c'est-à-dire c'est ce qui resterait à couvrir sur l'emprunt qui a été fait. Encore une fois, c'est de la prévision. Voilà, la commission de finances a émis le souhait de couvrir ce prêt, voilà, en fonction des frais que cela coûterait de solder par anticipation. Mais souhaiterait plus, effectivement, comme on a un petit peu de marge, couvrir ce prêt parce qu'il resterait encore plus de 11 000 euros d'intérêt. Donc, si on couvrait maintenant le prêt, on gagnerait, même s'il y a 6 mois d'intérêt de pénalité, on gagnerait au bas mot 10 000 euros d'intérêt. Voilà.
Donc, voilà, c'est prévisionné sur le budget. Ça ne veut pas dire que ça se fasse voilà, dans l'année. Ça sera décidé en conseil municipal de toute façon et ça sera proposé dès qu'on aura les chiffres sur les pénalités de retard. Voilà, c'est sûr que si on a… remboursement anticipé. Si on a 5 000 euros de pénalité de retard, en exagérant, on ne le fera pas. Ça ne vaut pas le coup. Quoi. Voilà. Voilà, mais après… Je pense qu'il faut profiter de l'excédent qu'on a eu pour justement essayer d'augmenter notre capacité d'autofinancement là, pour que derrière, en 2023-2024, on puisse avoir les mains libres pour des emprunts un peu plus conséquents. Voilà. En immobilisation après incorporelle, on a prévu 11 230 euros. Sur les subventions d'équipement versées, on est à 7 600 euros. Sur les immobilisations corporelles, on a 84 516 euros. Alors, petite aparté sur. C'est pas là. Ouais, c'est ça, là, terrain. Oui, ouais, là. Donc, juste. L'emplacement réservé. Ça, c'est l'emplacement. Alors, effectivement, ouais. C'est ce que allait dire Olivier. Ce chapitre-là, il a un petit peu augmenté, considérablement, mais il va vous expliquer pourquoi. Voilà, donc. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé en info, sur le point info de l'ancien conseil municipal. Là. Donc, c'est notamment sur les réserves que le PLU avait ciblées sur des zones de parking. Donc, lors de ventes de propriétés, on aurait donc un droit de préemption sur certaines surfaces pour créer des zones de parking dans des lieux qui le nécessitent. Quoi. Donc là, actuellement, on a une opération là, de droit de préemption sur une vente où il y a un droit de réserve sur une zone de parking. Donc les 15 000 euros que vous voyez là, sur la ligne terrain de voirie, là, ça correspond justement à l'estimatif de la surface qu'on souhaiterait investir. Encore une fois, on est en discussion avec le propriétaire, le vendeur. Et donc là, c'est une affaire qui est en cours, hein, donc c'est un peu compliqué, hein, comme vous avez expliqué la dernière fois. On ne va pas rentrer trop dans le détail, puisqu'il y a d'autres choses que je souhaiterais mettre en place avec les personnes concernées. Mais voilà, nous, en tout cas, on a chiffré on a préchiffré, on va dire, cette vente de l'ordre de 15 000, un peu moins, je crois, que c'était, mais ça, c'est parce qu'on avait rajouté encore des équipements dessus. Oui. Mais voilà, ça serait, on se limite à ça. De toute façon, ça correspond au prix qu'on souhaitait pour cette année. Voilà, c'était pour vous expliquer un peu cette dépense. Voilà. Ça, alors, bien évidemment, ce n'est pas cette dépense-là qui a fait autant grossir ce chapitre. Il y a également des projets que le conseil municipal souhaite mettre en place, notamment l'achat d'un panneau lumineux d'information. Voilà, donc c'est quand même la commission communication a quand même pas mal travaillé là-dessus et avance sur ce projet-là et du coup a déjà reçu des devis et du coup on a budgété une somme pour finaliser ce projet-là. Également, vous verrez pour le matériel de bureau informatique, ça, c'est une ligne aussi qui a grossi parce que on renouvelle le pack informatique de la mairie. Nos PC sont complètement obsolètes parce qu'ils n'ont plus de 6 ans, même 7 maintenant, et du coup ils ne sont plus du tout en capacité d'absorber les mises à jour sous Windows 10 et on est constamment embêté parce que on a des trucs qui, les programmes ne marchent plus, enfin voilà, donc il a fallu réinvestir là-dedans, il a fallu investir aussi dans des mémoires supplémentaires sur notre serveur puisqu'on a pas mal de postes et le serveur n'avait pas assez de capacité, donc il a fallu faire le nécessaire et puis on a investi aussi dans un VPN puisque comme vous le savez dans le contexte actuel on nous demande d'être en télétravail le maximum de temps. Il faut savoir aussi que si vous êtes cas contact, vous ne pouvez pas venir travailler alors que vous n'avez aucun symptôme, vous n'êtes pas malade. Donc, c'est vrai que nous, ça nous handicape énormément de ne pas pouvoir se connecter à distance et pouvoir avancer dans le travail. On n'avait aucun moyen de le faire.
Alors, c'est un logiciel qui… Ce n'est pas un logiciel, ouais, c'est vraiment un paramétrage de serveur qui permet en fait de sécuriser à la fois les bandes entrantes et sortantes. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est sûr. Non, j'appelle ça un logiciel. C'est pas grand-chose, mais en tout cas, je sais que quand je suis chez moi, je peux être sur le serveur de la mairie en toute sécurité. Parce que avec toutes les problématiques qu'on a eues sur les cyberattaques et compagnie, ça, ça a la garantie de… voilà. Voilà, c'est ce qu'ils vendent. En tout cas, voilà. C'est essentiel. C'est essentiel pour faire du télétravail. Voilà, en tout cas, c'est le but. Le but, c'est ça, c'est de pouvoir avoir une possibilité de télétravailler dans n'importe quelle situation. Quoi. Voilà. Donc voilà, ce qui explique un petit peu les augmentations. Sinon, après, voilà, on a pas. Les lignes sont sensiblement les mêmes, mais sur ce chapitre-là, ça a augmenté parce qu'on aura des dépenses un petit peu plus importantes. Ça, c'est le parent, c'était l'année dernière, l'installation de Paris, on avait mis un peu de mais il y aura d'autres installations mais c'est des 23 000. Okay. Voilà. Ça marche. On continue donc sur les immobilisations en cours, donc on a 510 595 euros de prévu. Donc là, c'est sur l'enfouissement des Bournières et Combes. Donc c'est la suite, on va dire, de la rénovation des assainissements. De l'évêque. Ouais. Oui, l'enfouissement des lignes téléphoniques, des lignes électriques. Avec aussi les restes à faire sur donc, la biblio. Il y avait aussi les chenaux de l'église. Et puis la deuxième tranche là, de la rénovation les fenêtres de la mairie. Après, on avait des dépenses d'imprévu au cas où de l'ordre de 40 000 euros. Et après, c'est des travaux en régie. D'accord. Et après, les opérations d'ordre de transfert. Alors, ce qu'on appelle des travaux en régie, c'est ce que la mairie, ce que les employés communaux vont faire. On budgète toujours des travaux, des sommes pour des travaux que les employés communaux font eux-mêmes. On ne délègue pas, on ne prend pas une entreprise pour le faire. Et ça, on récupère la TVA dessus. Donc, c'est pour ça que c'est écrit sur des lignes spécifiques, d'écriture d'ordre, on appelle. On se fait un total, donc je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais un total général des dépenses d'investissement de 867 321 euros. Alors, après, on va passer sur… recettes d'investissement. Alors, sur les excédents d'investissement reportés, on a 133 766 euros. On a des dotations, donc fonds divers et réserves, à 62 510 euros. Donc, avec ça, c'est du prévisionnel, hein, pareil, sur la TVA, qui est sur les deux ans, je crois, sur les remboursements de TVA. Les subventions d'investissement reçues de 140 802 euros. Donc ça, c'est estimé. Ce qui nous reste à percevoir. Ça vient de la ludothèque, je crois. Alors, on a aussi le fonds de péréquation de la Poste, c'est-à-dire qu'on doit faire entrer des sous. La Poste nous avait promis une subvention de l'ordre de 20 000 euros pour la bibliothèque ludothèque, puisqu'il y a aussi l'agence postale qui a été faite. Donc, c'était une subvention pour la création de cette agence postale communale. Ce qu'il faut savoir, c'est que les autres… Alors, il y a des restes à réaliser dont on sait pertinemment ce qu'on doit rentrer. Et puis, les autres, c'est des subventions que l'on doit rentrer sur des projets que l'on a. C'est-à-dire que, par exemple, pour la réfection des chenaux de l'église, on a des subventions qu'on va rentrer du département et de la région. Voilà, donc on a tout comptabilisé et ça apparaît dans ces subventions-là, dans ce chapitre-là. On a trois subventions, région, département, et
l'INA. Et GFP et le STEP. Donc ça, c'est des projets. Hein, donc hormis, je pense, les chenaux qui sont déjà bien, on va dire, ficelés en termes d'opérations de rénovation. Voilà, on a l'équipement aussi numérique école hein, qu'on a pris acte. L'éclairage de la salle des fêtes, par contre, ça restera donc à créer hein, cette demande de subvention. Donc voilà, à peu près, ouais, je crois, l'éclairage de la salle des fêtes. Ouais, donc et puis on a aussi l'aménagement du pont d'Aix. Oui, l'aménagement du pont d'Aix, oui. Parce qu'à l'époque, il y avait eu une étude pour faire ralentir le flux des voitures qui circulent sur la route du pont d'Aix. Avec, alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont constaté, mais c'était des plots en plastique qui simulaient plus ou moins la chicane. Voilà. Donc cette fois-ci, ils le feront en dur. Il y aura peut-être une légère modification d'une chicane parce qu'il y a quelqu'un qui a posé un permis de construire il n'y a pas si longtemps et qui bouge la chicane. On verra après derrière, mais bon, il ne devrait pas avoir de soucis. Donc on a budgété cette dépense, mais il faut savoir que ce sera. Alors, on l'a budgété d'un côté en dépense et là, on est dans les recettes d'investissement, on l'a budgété parce qu'en fait, c'est une dépense que nous avons budgété parce qu'on va peut-être être amené à faire l'avance. Mais en tout cas, ce sera une opération blanche puisqu'on va être remboursé en intégralité. Alors, soit ça sera au titre de la politique des amendes de police, c'est le département, c'est-à-dire que nous, on va faire l'avance et le département va nous rembourser. Soit ça sera une partie de la CCRV, une partie du département. Enfin, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, nous, on fait une avance. Mais ça va être blanc. Voilà. On l'a fait apparaître budgétairement, mais même si on fait une dépense, on aura la rentrée d'argent correspondante. Il faut qu'on l'inscrive dans les... OK. Donc après, on a un virement de la section fonctionnement de 500 000 euros et une opération d'ordre de transfert, donc ça c'est sur les amortissements, de 30 243 euros, qui nous fait un total général des recettes d'investissement de 867 321 euros. Alors, je précise parce que ceux qui ont les tableaux sous les yeux vont voir que l'année dernière, on avait un budget qui était à 1 067 808 de rentrée de recettes. Et si on a cette différence de 200 000 euros, ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les 200 000 euros qu'on a mis en plus. C'est-à-dire quand on a fait une section de, quand on fait le virement de la section, on avait gardé, rappelez-vous, pas loin de 300 000 euros sur le fonctionnement. Ben forcément, il manque en investissement. Si on avait basculé la totalité, on aurait basculé non pas 500 000 euros de la section de fonctionnement, mais presque 800 000 euros, et on aurait retrouvé les 300 000 euros là, donc on aurait bien été à 1 100 000, quoi, en quelque sorte. Voilà, donc c'est vraiment des jeux d'écriture. Ce qu'il faut retenir, c'est que le budget, on est sensiblement sur la même chose que l'année dernière, simplement les dépenses, elles fluctuent d'un chapitre à un autre différemment. Il y a un chapitre où on va moins faire et puis on en fera que l'année dernière et d'autres on en fera plus. Voilà, mais en tout cas, tout s'explique. Il y a également une petite différence sur le chapitre des charges de personnel. Alors ça, c'est pareil. Ça s'explique par le fait que nous avons un départ à la retraite au niveau des services techniques bientôt. On a une personne qui va. Enfin, voilà, ce départ en retraite, on l'envisage sur un scénario qui serait absorbé, on va dire, par le personnel déjà en place. Mais comme il y a quand même une charge de travail au niveau administratif, on aura un poste en demi-poste en administratif. Mais pendant ce temps-là, si vous voulez, les trois postes sont encore là sur cette année 2021, en tout cas jusqu'en mars. Donc, c'est vrai que ça grossit un petit peu les lignes, mais dès 2022, ça reviendra un petit peu en baisse, puisque le salaire de la personne qui s'en va à la retraite ne sera pas couvert par la personne pour s'embaucher. Ça, parce que bon, forcément… On ne peut pas avoir un même salaire avec une personne qui commence et une personne qui est en fin de carrière. Hein. Vous savez, vous avez calculé la charge que ça prend en plus, qui c'est pour les mutuelles, tout ça, tout ce que vous avez parlé.
pour les aides. Non, puisque là, pour l'instant, enfin, il n'y a pas au niveau de charge. Nous, on avait fixé au niveau des aides de la mutuelle, on avait fixé une participation. Mais après, il faut qu'on voit. Donc, on peut adhérer à n'importe quel moment. Pour l'instant, au supplément de salaire, au complément de salaire, enfin, au maintien de salaire, pardon, je vais y arriver. Voilà. Donc, si on regarde la période de recouvrement de la personne, c'est elle qui va nous faire le surpaiement de la charge du personnel. Ça va être sur une durée ou à la fin, en octobre, logiquement. Le fait qu'il n'y ait plus la personne d'octobre à décembre, c'est amorti en fait. Quoi. Ça, c'était par rapport au fait de savoir si on avait évalué la participation, si on l'avait budgété. Ah. On appelle la participation pour l'instant. Si on savait le montant. Ah oui, non, mais ça, moi, j'ai... On n'a pas le montant définitif. Voilà. Non, on n'a pas le montant arrêté parce qu'on n'a pas le nombre de personnes qui souhaitent. Moi, j'en ai parlé. Voilà. Moi, j'en ai parlé, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, les agents ne m'ont pas dit exactement s'ils avaient un maintien de salaire, pas de maintien de salaire. Okay. Il faut qu'ils puissent avoir le temps aussi de faire le contrôle avec leur mutuelle à eux, savoir s'ils perdent, s'ils gagnent, si voilà. Okay. Donc, après, moi, j'attends qu'ils reviennent vers moi et puis voilà. Mais en tout cas, c'était acté au niveau municipal, un minimum d'aide, donc voilà. Oui. Ben, dès qu'on l'aura, on communiquera. Ok, donc là, je crois que là, ouais, c'est bon. On peut voter. Il y a des questions d'abord. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent plus de détails ou... Ok, donc on va passer à la délib. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ben, merci. Donc, ça, c'était pour le budget. Juste pour le vote. Ouais. Donc, tu fais acter, tu demandes, alors tu dis que la municipalité propose ne pas augmenter le taux. Ah oui, pour le vote, et voilà, de la taxe. Et ouais. Que, voilà, on passe sur les mêmes choses. Donc, nous, la municipalité ne souhaite pas faire évoluer le taux qui était initialement prévu concernant les taxes. Pas les taxes d'habitation, là, ça serait les taxes foncières. Voilà. Simplement valider le fait qu'on absorbe, on monte le taux de la taxe, on le taux du département avec celui de la commune pour trouver. Voilà, donc c'est dire qu'on aura une sur notre taxe d'habitation, on aura un pourcentage beaucoup plus élevé, mais en fait, la somme sera la même à payer. Quoi. Donc, est-ce qu'on peut délibérer s'il y en a qui sont contre? Qui s'abstient? Ok, merci. Pour les budgets, c'est fait. Alors, des bons. Enfin, on va réfléchir. On va passer donc sur les travaux d'urbanisme, donc régularisation cadastrale du chemin de la Baume. Oui, c'était c'est des choses qui sont passées depuis 1900 et des poussières, et les actes notariés n'ont pas été. Ça va faire un peu d'histoire. Claude avait vachement avancé la soirée. Donc, lors d'une de ces délibérations en 1998, le conseil municipal a approuvé la rétrocession à la commune de la parcelle au lieu-dit Chemin de la Baume, par différents propriétaires. Un document d'arpentage avait été réalisé, mais l'acte notarial correspondant n'a jamais été effectué. Donc, nous avons été sollicités par les différents propriétaires qui se sont rendus compte que cela n'avait jamais été régularisé. Un nouveau document d'arpentage a dû être fait, donc à notre charge, il faut savoir. Suite à cette régulation, la commune récupère les parcelles suivantes.
Donc on a, alors là le problème c'est que je ne pense pas qu'il les ait les. Non, mais ouais. J'avais mis le plan. Mais... Oui, ah oui, bah, c'est bon. C'était très bien. Voilà, donc il y a 310 mètres carrés sur la parcelle AA291. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'avoue que là, la AA293, il y a 12 mètres carrés. La AA295, il y a 309 mètres carrés. Et la AA297, il y a 51 mètres carrés. Donc l'indivision Ferrière souhaiterait procéder à un supplément à la commune. À la commune, la parcelle AA290. Je ne sais pas si vous l'avez localisée. C'est celle-ci, là. Ouais. C'est celle qui est vraiment celle qui est dans, le long, petit, voilà, dans le petit angle. De 222 mètres carrés. La jaune, le petit morceau de jaune. Donc toutes ces parcelles seront achetées au prix d'un euro symbolique. Les frais notariaux correspondants seront pris en charge par la commune. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les rétrocessions ci-dessus, énumérées, d'autoriser M. le maire à signer tout document correspondant. Et donc en fait, c'est... Voilà, c'est-à-dire que c'est un chemin déjà qui, où ils ont, qu'on a... Voilà, exactement. Ouais. Donc, mais le problème, c'est qu'il y a eu le début qui a bien été fait et arrivé au notaire, c'est parti dans les oubliettes. On a dû refaire le travail. Et là, ça a failli repartir dans les oubliettes, mais on a récupéré le bébé pour pouvoir acter finalement cette procédure. Donc, c'était vraiment... Plus de 22 ans après, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est pas le seul, hein, parce que si tu te souviens, on avait eu le cas avec au Grand Champ, là-bas, chez Albert Brunet, pour lequel c'est toujours pas réglé. Enfin, voilà, on va y arriver. Hein. Voilà. Donc, si, donc, la réalité, ces parcelles ont été prévues d'être achetées, mais elles n'ont jamais été payées au propriétaire. Non, c'est pas ça. C'est là que notarial, il n'a jamais été. Elles ont toujours été données gracieusement. Ces parcelles, il faut savoir que la voirie, elle dessert des maisons. C'est cette route dessert des maisons et c'est la commune qui entretient le chemin, qui déneige. Qui... Donc, forcément, il faut que ce soit propriété de la commune. Donc, ces parcelles-là ont été rétrocédées des propriétaires à la commune. Et puis, on a délibéré pour dire qu'on les prenait. Sauf qu'il s'avère que 20 et quelques années après, un propriétaire veut faire des papiers d'héritage et s'aperçoit qu'il est toujours propriétaire du morceau de la parcelle qui était censée… voilà. Donc, ces parcelles-là, c'est régularisé. Et voilà. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de faire don d'une parcelle. Il faut la vendre à l'euro symbolique. Donc, voilà. C'est ça la différence. Donc, nous l'achetons à l'euro symbolique à chacun des propriétaires. Clôturer à voilà. Cette transfert. Donc, qui compte sur ce point? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, nous avons au niveau du point vie associative, donc on a la convention CAUE. Donc la municipalité souhaite concrétiser le projet de restructuration des écoles de Saint-Laurent-Royan. Donc c'est le projet qui avait été lancé lors du mandat précédent. Le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, donc CAUE de la Drôme, aide à la décision et accompagne à la maîtrise d'ouvrage pour l'intermédiaire d'une convention collective établissant les missions que ce dernier sera amené à effectuer auprès de la collectivité. Donc, le CAUE va consacrer donc 10 jours de travail de conseiller auprès de notre commune. Donc, c'est une participation financière de 2023 euros qui correspond à l'adhésion au CAUE, équivalent à 4 jours de travail. Et une participation de 2466 euros liée aux 6 jours de travail supplémentaires nécessaires à l'accompagnement du projet jusqu'au choix de la maîtrise d'ouvrage, soit un montant total de 4489 euros. Donc, il est proposé au conseil municipal de valider la convention à intervenir entre le CAUE et la commune et d'autoriser donc M. le maire à la signer. Ce qu'il faut savoir au niveau du CAUE, c'est une association qui vient donc donner des conseils auprès des collectivités.
Donc, si on fait appel à leur service, on paye une adhésion. Donc, cette adhésion, elle correspond à peu près à 4 jours de travail. Et comme 4 jours sur notre projet, ce n'est pas suffisant, eh ben, il y a une facturation de 6 jours. Voilà. Donc, sachant que le premier jet de 4 jours est à 2000 euros, on rajoute 6 jours, quoi, donc, quasiment un peu plus, quoi, on est du même ordre, donc il n'y a pas non plus d'excédent sur le nombre de jours cumulés. Quoi. Et puis, je pense qu'il nous faudra bien 10 jours de toute façon de travail, c'est assez clair. Donc, je vais demander qu'on délibère sur ce point. Donc, qui est contre? Ah, pardon. C'est bizarre, entre 4 jours et 6 jours, il n'y a pas beaucoup d'écart de prix. C'est ce que disait Olivier là à l'instant, oui. Voilà. C'est vrai que… C'est comme ça, en fait. Non, mais en fait, si je puis me permettre, moi, ce que j'ai compris, c'est que la commune paye, adhère donc au CAUE. L'adhésion est calculée en fonction de, il y a des barèmes là, celles tu peux m'aider là-dessus. Je pense que c'est lié au nombre d'habitants. Voilà, c'est ça. Il y a des critères et cette adhésion donne, en fait, c'est 4 jours de travail offerts. Voilà, fait. C'est ça. C'est l'adhésion qui coûte 2023 euros. Oui, ouais. Ça fait partie. Ça fait partie. Voilà, c'est le package de l'adhésion où en fait il y a 4 jours dedans offerts. Et après, si on veut cumuler d'autres jours, il faut payer un supplément. Et voilà, ce supplément est à 2466 euros. C'est tout bon? Et sachant que c'est le CAUE qui a estimé à 10 jours le temps de travail pour nous accompagner. Oui, c'est eux qui l'ont estimé. Donc, on va délibérer. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Hop. Après, oui, on va passer sur les subventions. Donc, pour les subventions aux associations 2021. Donc, il y a une commission donc, sociale qui s'est réunie pour discuter un peu des traitements des diverses demandes de subventions. Donc, à savoir que lors de la commission, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 associations qui nous ont demandé des fonds. Alors, ce qui avait été décidé, c'est ni plus ni moins ce que je vais présenter ce soir. Hein, donc, pour donner un ordre d'idée, on est parti là donc sur une année 2020 à 3014 euros au total de subventions. Et on nous avait sollicité sur 8244 euros. Donc, on a proposé donc par rapport qu'on fasse une moite-moite. Donc, on arriverait à 5544,52 euros. Donc, il est vrai que dans cette somme-là, il faut bien savoir qu'il y a des associations qui ont demandé beaucoup et qu'on ne pouvait pas se permettre de répondre aussi à ces sommes-là par équité, on va dire, d'autres. Ouais, par équité pour les autres associations, quoi. Donc, la commission est au courant de toute façon de ce qu'on a échangé ensemble. Hein, donc, globalement, tout ce qu'on avait chiffré lors de la commission, tout a été mis en place là-dessus. Quoi. Donc, je ne sais pas si derrière, il faut que je détaille. Non, c'est que voilà. Simplement, voilà, il y avait effectivement sur la commission, il y avait un petit peu moins de sur la décision, pour la simple et bonne raison qu'il y a 3 dossiers que l'on reçoit, enfin, qui sont chaque année propos récurrents. Ouais. Merci. Il est tard, j'y arrive plus. Donc, ce sont des dossiers qui sont récurrents, mais pour lesquels on n'a pas retrouvé la demande. Ils nous ont assuré l'avoir faite. Il s'agit de dossiers qui sont, il y a la folle pour le ciné-écran, il y a, rien que ciné-écran, c'est 1084,52 €. Pourquoi ? Parce que c'est tant par habitant. C'est pour ça que ça a un petit peu grossi par rapport au résultat de la commission sociale. C'est simplement que ces 3 dossiers-là, on propose de les rajouter ce soir au conseil municipal,
parce que ce sont des dossiers qui sont récurrents. Chaque année, on participe et que, ben voilà, on n'a peut-être d'ailleurs, pas. Lors de la commission, ça, sur les trois, il y en avait quand même deux où on était surpris de. Enfin, on avait fait remonter le fait qu'on était surpris de ne pas les voir dans la liste. Quoi. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, on les a recontactés derrière pour être sûr qu'il n'y avait pas d'anomalie sur ça. Et effectivement, il y avait une anomalie. C'est pour ça qu'effectivement, bon, y a une petite différence et les gens qui ont assisté à la commission peuvent être étonnés. Mais voilà, non, mais ça s'explique effectivement par ça. Mais voilà, donc après, je ne sais pas si je dois énumérer chaque nom d'association non, avec les associations. Le tableau, si on en prend les alors, les tracons, on a le détail. On n'entend pas la question de Nancy. Alors, il y a Nancy qui demande, en fait, du détail sur les tracons. Qui demande cette subvention. La dépossible, c'est quoi? Oui, c'est, moi, je pense que c'est là tout le... La... Ouais, c'est... CRM ou non, CRM, il y a la fête du numérique? Ah, c'est la fête du numérique. Pour de la communication? Alors, on a le détail. Là. Cette année, ils ont fait en issue. C'est sûr, pourquoi? Mais vous n'en avez pas parlé, la commission? Mais, non, il n'était pas. C'est bon, non. Parce que ça, pour le coup, c'était vraiment un dossier qu'on n'a pas pensé à voir. J'aimerais bien savoir parce que. C'est la quatrième fête du numérique. Oui, je suis d'accord, mais bon, c'est la quatrième. Donc en 2020, il n'y avait pas eu de demande. En 21, il demande 500, et c'est la quatrième fête. Et on donne 250. Et bien, c'est marqué, c'est de la communication ou participation Là, c'était plus marqué sur on va dire, les frais engendrés par l'événement là-dessus. Quoi. Nous, on a réfléchi comme ça. La sollicitude d'aide a été sollicitée. Alors, qu'est-ce qui marque Parce qu'il y avait, je crois que des balades, enfin, il y avait des. Je me remémore. Parce que là, alors, c'était les flyers aussi, tout ce qui est après. Non, c'est prestations vidéastes, 4 demi-journées, prestations graphistes, prestations d'aide et conseils au déplacement de la démarche, voilà. Prestations de communication. Ouais, sur les flyers et affiches, calément, hébergement, site internet. Donc, ça, c'est pour accéder, on va dire, à former les gens là-dessus. Hein. Nous, on a compris comme ça. Nous, on a regardé plus dans le global. Ouais, mais ça, on n'est pas au courant non plus de. Mais c'est pour ça que je pense que c'est énorme. En tout cas, moi, j'aime bien partager ça avec la commission. La commission, elle ne m'a pas donné d'avis défavorable. Et après, bon, moi, je ne peux pas non plus tout savoir sur tout ce qui se passe. Mais là, pour l'année prochaine, par exemple, en sachant comment je vais la prendre, je commande plein de choses. Et si vous me dites que la subvention est demande, d'accord, c'est cible. Après, c'est sûr que voilà, on n'a pas non plus donné l'intégralité de ce qui a été proposé, puisque justement, on trouvait qu'il y avait. C'est un peu flou. Donc, on a dit, bon, il faut quand même faire vivre les tracoles, c'est quand même important à Saint-Laurent. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas leur donner, savoir sur quoi. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que, à contrario, le fair play de pétanque qui, effectivement, amène les gens. Là, par contre, on était sur des budgets qui étaient en dehors de. C'était pas possible. Donc, déjà, ils ont eu quand même l'une des plus grosses subventions. Ouais, donc. Pardon ? C'est les spéléos. Ils sont hyper dynamiques. J'ai assisté à leur assemblée générale. Ils sont très bien. Et nous, là, encore, on a donné aussi. Non, mais en tout cas, c'est important de les faire vivre. Petite précision. Ils sollicitent la commune de Saint-Laurent. Bon, je ne connais pas le dossier, je n'ai pas assisté à la commission. Mais juste, je lis, en fait, depuis 2 ans, ils font la fête avec la ludothèque et avec l'école primaire de Saint-Laurent. Voilà. Donc, comme ils font manipuler les enfants aux imprimantes 3D, ils font regarder les œuvres à des microfolies,
participer aux jeux éducatifs en ligne. Voilà, dans cette sens. Donc, elle a eu lieu en distance. Elle a eu lieu en distance. Oui, ils ont fait une chaîne YouTube. Avec plein d'événements. Sur 3 jours, je crois, ils ont fait plein d'événements. Plein de films. Cette année, donc. C'est pour ça que surveiller, on verra l'année prochaine. Je ne suis pas du tout. Non, mais ok. Juste pour information, c'est toujours aussi compliqué de suivre les échanges à distance. Ouais. C'est juste donc une erreur. Je vais essayer de résumer pour ceux qui n'ont pas entendu. Faut qu'on investisse dans un micro digne de ce nom. Ouais. Bah oui, mais là, ça va être compliqué. Juste pour résumer là, donc, notre échange, pour ceux qui n'ont pas entendu en tout cas. Donc, il y avait une interrogation sur la subvention des tracoles. Pour avoir un peu plus de détails, donc on a repris leur demande, leur dossier. Donc, on a essayé d'éplucher un peu plus en détail le besoin qui est réel qu'il y avait. Donc, l'interrogation qui était émise par Nancy, c'était le fait que l'année dernière, ils n'ont pas demandé, ni il y a 2 ans. Et dans leur dossier, ils ont réalisé la même prestation sur laquelle ils demandent ces subventions. Avec une demande cette fois-ci de subvention qui n'avait jamais été faite au préalable. Donc, c'était cette interrogation, pourquoi maintenant et pas avant. Là, comme on a dit, nous, on regardait d'une manière globale avec la commission, on avait discuté. C'est sûr que pour nous, toute association à Saint-Laurent mérite d'être écoutée. Et puis, si on peut, on essaie de participer aussi aux efforts de ces associations. Après, voilà, il a été dégagé la moitié de ce qui avait été demandé. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est que effectivement, si derrière, il n'y a pas de résultat concret, on surveillera durant cette année pour après, l'année prochaine, voir si réellement le jeu en valait la chandelle. Et qui, voilà, il y avait déjà eu cette fête qui devait être réalisée cette année qui a été annulée, sûrement due au problème sanitaire, et qui a été fait en distanciel. Donc, voilà. Donc, on va délibérer là pour ces subventions. Je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent avoir plus de détails. C'est vrai que le micro est vraiment très orienté vers moi, donc je ne peux pas faire autrement. Et on a favorisé aussi, oui, la commission a considéré que c'était bien aussi et puis moi aussi, j'étais d'accord, hein, de toute façon, là-dessus, c'était la Boxstyle qui quand même représente quasiment 100 adhérents. Donc, c'est quand même une asso qu'on a poussée Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est le projet. D'ailleurs, ça fait partie du projet. Voilà, c'est pour Dan qui puisse, parce qu'il commence à se faire vieux et voilà qui suivent les personnes courir. Là, il y a quelque chose. Voilà. Ok. Donc, juste pour, j'aurais une question là. Oui. Allez-y. Moi, je veux juste savoir si, en fait, au résultat pour les subventions, est-ce que ça a été les subventions qu'on va donner pour 2021, elles ont été réévaluées alors à la hausse? Alors non, elles ont été. On a regardé d'habitude ce qu'on donnait déjà aux associations. Après, ce qui a été demandé, on va dire en majorité, hormis le fair play. Qui malheureusement demandait quand même 4000 euros. On a dû trancher parce que là, sinon, par équité, en fait, sur les autres assos, on est resté à 1500, qui est quand même l'équivalent de la Boxstyle, alors qu'il y a 100 adhérents, quoi. Donc, c'est quand même un sacré geste, quoi. Pour moi, après, ça, je vous dis, ça, c'est les choses qu'on a décidé aussi de notre côté. Au global, tout le monde a été largement satisfait de toutes les demandes quasiment, je vois, hormis peut-être le club des Delveys, qu'on a réduit à 50 euros, de 50 euros sur les 200 euros. Mais bon, c'est vrai que la commission avait tendance à dire que ils ont été beaucoup, on va dire, peu investis, ils sont peu investis, puisqu'il y a la problématique du Covid. Donc forcément, on a préféré se servir un peu de ce décalage pour nourrir d'autres assos comme GECO, par exemple, qui là, ils ont demandé 150, on leur a donné 150. Donc, toutes les autres associations ont bien été
Pourtant, les Edelweiss, ça, ouais, je comprends pas bien. Parce que là, il y a les cours de gym en visioconférence et tout ça. Alors ça, c'était plus… en fait, voilà, c'est plus en question. Voilà, c'est par rapport à leur CA. Ils ont quand même dégagé une trésorerie ultra positive. Donc après, c'est surtout qu'il n'y a pas que… Ils ont beaucoup d'activités, en fait. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que la partie… Ils ont un beau livret A. Pardon ? J'ai pas entendu. Il y a quelqu'un. Ils ont un beau livret A. Ah oui, ah oui. Bon, après, ça, c'est… Après, encore une fois, ça a été traité en commun avec la commission. Moi, je ne connaissais pas trop aussi les activités qu'ils proposaient, mais effectivement, d'habitude, on avait tendance à leur donner tous les ans cette somme-là. Donc, on a considéré qu'on ferait l'équivalent des années précédentes, là, sur ce coup. D'accord. Ouais, ouais, ben. Oui, oui, bien sûr, non, mais c'est… Non, on ne leur a pas rien donné, ce que je veux dire. On a essayé d'ajuster. Voilà. C'est ça. C'est vrai que Liliane a été présente, puisque c'est quand même adjointe là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter à me couper quand tu veux rajouter du détail. Pas de souci. OK, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, ben, on va pouvoir délibérer. Donc, pour pouvoir donner les subventions aux associations de l'ordre de 5 544,52 €. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Après, bon, comme disait, voilà, c'est ça. Donc, prochain point. Donc, maintenant, on va passer au droit de préemption. Donc, on a eu deux demandes d'aliénation de droit de préemption. Donc, c'est suite à la vente donc de Madame. Donc, Perdriol Anne Michael pour Monsieur Madame Dorado et G. Charlotte. Et aussi, donc, Monsieur Dorado Quentin qui vend à Monsieur Poirier Maxime. Pardon ? Non, c'est juste. C'est que la mairie fait pas. Voilà, je fais ça sans. Il dit qu'il y en a avant, mais il n'y en a pas. C'est ça. Alors, en information directe, on n'entend rien. De mémoire. Ouais. Olivier, on vous entend plus ? Ah, c'est bon, vous m'entendez maintenant ? Merci. Là, c'est mieux. Ouais, alors, il faudrait que je fasse gaffe, j'ai bientôt plus de batterie. Ok. J'ai pas la clé. La clé du bureau. Voilà. Il est sur la table. Merci. Ok. Donc pour les informations diverses après, donc il y avait plusieurs choses que je voulais vous soumettre. Donc déjà, je pense peut-être pour les, on va commencer peut-être par les brèves. Bon, ouais. Donc là, les brèves seront distribuées donc lundi. Les brèves du petit journal, hein, pour je ne sais pas si vous voulez que je vous. Peut-être que Nathalie aura plus d'éléments que moi pour présenter ces brèves, même si tout le monde sait que c'est ça. Par archer, ouais. Ouais. Si tu veux prendre la parole, Nathalie. Ben ouais, il faut que je réexplique ce que c'est que les brèves du petit journal. Est-ce que déjà vous avez besoin de détails sur ces brèves ? Bon, ça en. Moi, je peux juste dire que ça encore, voilà, on est dans un contexte qui est compliqué. Donc, on n'a pas pu se réunir comme on aurait aimé se réunir. Donc, ça s'est fait. Puis en plus, je suis tombée. Excusez-moi, il y a la chatte qui passe. En plus, moi, je suis tombée malade. Donc, j'étais un peu dans le cirage pendant plusieurs semaines.
Du coup, on a fait un peu comme on a pu, on a échangé avec les membres de la commission au niveau de la rédaction des textes. La maquette, je l'ai faite entre deux poussées de fièvre. Et voilà, donc c'est parti à l'imprimeur et ça sera distribué donc, par une personne d'Archer à partir de lundi. Voilà. Okay. Après, ben, j'en profite pendant que tu es au micro, Nathalie, pour le prochain donc, date du groupe de réflexion qui a été planifié aussi. Ah oui, alors parce que j'ai eu contact avec donc, la chargée de mission du CAUE, on avait reporté donc, le groupe de réflexion projet école plus tard parce que les consignes sanitaires, etc., on ne voulait pas faire du distanciel, mais bon, on va peut-être devoir y venir. Hein. Donc, on l'avait d'abord reporté dans un premier temps au 22 avril ou 26 avril, je ne sais plus, mais elle, ça ne lui convenait pas. Donc, a priori, on est tombé d'accord sur la date du 6 mai. Donc, c'est un jeudi, il me semble, jeudi 6 mai à 18h. Voilà, après, on verra dans quelles conditions on peut réunir ce groupe de réflexion. Et dès qu'on y voit un peu plus clair sur les modalités, on enverra bien sûr un courrier à tout le monde, aux membres du groupe de réflexion. Sachant qu'il y a la commission infrastructure qui n'a pas encore désigné ses membres, ou en partie, enfin, je ne sais pas, il manque du monde. Donc, voilà, ça, il faut qu'on règle aussi cette histoire. On avait lancé un mail, mais les gens n'ont pas vraiment répondu. Donc, il faut qu'on relance ça. Voilà. Ok, ça marche. Merci. Bon, ça va, tu es de nouveau en forme? C'est bon? Ça va mieux. Ce n'est pas encore au top, mais ça va mieux. Bon. Non, c'est une cochonnerie. Voilà. Okay. Je vais enchaîner, moi, pour un peu parler du pont du tram. Donc, il y a eu des choses qui sont passées un peu à la CCRV pour, on va dire... pour continuer les démarches, pour trouver une solution là, sur cet accès entre Saint-Laurent et Saint-Jean. Donc, le 27, je crois, là, c'est 27 avril. C'est 27 avril. Il y aura une intervention donc, du département là, au niveau de la Comcom pour justement nous expliquer les tenants et aboutissants de l'étude. Et aussi ben, peut-être échanger sur les solutions qu'on pourrait mettre en place voilà, avec peut-être une intervention de la CCRV. Ça reste à faire. Hein, donc, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui sera présenté du département sur ce point-là le 27 avril, mardi 27. Voilà. Après, au niveau des élections après départementales, alors le 13 et 19, je crois, le 13 et 20. 13 et 20 juin. Alors, il faut savoir que le 1er avril va être décidé si oui ou non il y a report. Car c'est pas encore sûr. Mais bon, ça c'est. Alors, moi, ce que je voulais en profiter pour vous solliciter tous, hein, parce qu'en fait, comme on va avoir les deux élections le même jour, il y aura donc deux bureaux de vote à prévoir, donc deux fois plus de personnes qui devront organiser les choses. Donc, moi, j'arriverai en fait Italie la veille. Ouais, c'est normal, hein. Tu sais, quand tu pars en vacances, tu planifies ça 3 mois avant. Ben, en fait, ça ne prend plus le poil au moment. Mais bon, je vais arriver. Tu vas partir, toi. Tu vas te laisser partir. Ben, je ne sais pas, ça, on verra. On verra. Non, mais... Ah oui, ouais, c'est possible. Mais voilà, quoi, donc, il y aura quand même une organisation à prévoir. Et je compte bien sur vous. Hein. Voilà. OK, sur les deux week-ends. Alors, on avait essayé de demander si on pouvait prendre la salle du Puy pour un peu dissocier les deux masses de foule hein, qui vont s'accumuler. On a été botté en touche parce qu'ils veulent que ça soit uniquement dans un seul et même endroit. Donc, ça sera la salle des fêtes. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est bien, quoi. On est en... Ouais. Là, on propose une solution avec le Covid de séparer. Voilà. Mais bon, d'ici là, ça peut encore changer. Hein, parce que même entre le 1er avril et le mois de juin, il peut s'en passer des choses. Hein.
Après, je pense que Christelle, tu avais le projet numérique. Ouais, j'avais deux choses simplement pour vous préciser. Vous savez, pour le projet numérique pour les écoles, le matériel sera livré à l'école élémentaire mardi matin. Voilà. Voilà. Et donc, peut-être que Liane, bon, tu auras. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Et pareillement, aussi pour vous informer au niveau du poste dont je parlais tout à l'heure, au niveau de l'administratif, celui qu'on a voté il y a quelques mois déjà. Donc, nous avons eu à ce jour, sachant que les candidatures sont clôturées au 31 mars, nous avons eu 11 candidatures. Voilà, donc la commission du personnel va se réunir, va regarder un petit peu les candidatures, on va convoquer un certain nombre de personnes et on discutera entre nous, je ne sais pas, sachant que de toute façon, on a des délais assez courts, puisque l'idéal, ce serait une prise de poste au 1er mai. Voilà. Voilà. Et tu as calé la date de la commission ou pas? Non. Alors, pour l'instant, non, on ne l'a pas fixée. Ouais, l'idéal, ce serait moi, j'avais mis la semaine 14 en mail, c'est-à-dire la semaine 14. 5 avril, là. Ça serait l'idéal parce qu'au moins derrière, on peut laisser le temps aux personnes de venir. Et puis voilà. Ouais. Ouais, ok. Oui, il y a Liliane qui demande, pour ceux qui n'ont pas entendu, si Christelle pouvait charger de retransférer la fiche de poste de la personne. Tu as regardé aussi? Oui, j'ai regardé. Moi, j'ai fait vite le tri. Moi aussi, hein. Tu sais qu'il y a un peu. Oui, par contre, c'est vrai que on va discuter en commission, je pense. Mais effectivement, oui. Il y avait quoi d'autre encore? Oui, alors moi, c'est juste un peu, alors, parce que là, pour le sens interdit, en fait, pour bien que ça soit clair, parce que j'ai été plusieurs fois interpellé sur cette décision. Moi, prévenu, j'allais en parler à la commission infrastructure. La commission infrastructure qui s'occupe aussi de tout ce qui est voirie. Donc moi, c'est à titre consultatif, hein, de toute façon, que j'aime bien aussi de faire à ça, la commission. Donc, en l'occurrence, sur cette commission, j'en avais parlé parce que je voulais un peu avoir le ressenti des personnes qui étaient présentes. Donc, la majorité, de toute façon, tout le monde était OK pour qu'on le conserve, parce que voilà, c'est une question de sécurité. Je tiens quand même à le rappeler, parce que souvent, des gens pensent qu'on fait ça pour le plaisir, mais vraiment, au début, tout le monde pense que c'est aussi pour les pacaliers, mais non, je tiens encore à le souligner, c'est vraiment issu d'un test qu'on voulait faire aux pacaliers, mais il s'est avéré qu'on a identifié quand même une zone quand même pas très sécure. Et donc, on a préféré limiter les futurs accidents. Donc, on l'a mis en sens unique, pas en sens interdit aussi, parce que on a mis un sens interdit que sur la partie montante, pour rappel. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pour la sécurité qu'on l'a mis. Et voilà, on le laissera à demeure dans tous les cas. Notamment, il faut savoir que même la MGN, sur son règlement intérieur, a bien spécifié qu'il était interdit de passer par ce sens interdit. Pour vous dire que ce point-là avait déjà été remonté. Donc certes, je comprends qu'il y ait des personnes qui soient mécontentes, hein, c'est normal, hein, mais le fait est que c'est quand même une zone très dangereuse, quoi. Surtout en bas, là, quand il y a des bus qui passent, il y a des remorques qui essaient de tourner en haut et qui sont bloqués au milieu de la route. Non, c'est le poteau. C'est le poteau. En... Ouais, ils ont fauché le stop. Il n'y a plus de stop, en fait. Ils ont fauché le stop. Et du coup, tu parles de ça. Oui, oui. C'est ça, ouais. Bah, après, au début, j'ai cru que c'était l'association des Fracoles qui m'appelait. Parce que c'est marqué association Fracoles, en fait, sur l'objet. Donc après, comme je leur ai dit, j'ai essayé de trouver un créneau pour en discuter.
Moi, il n'y a pas de problème, hein, j'en discuterai, mais par contre, la décision, elle est claire là-dessus, on n'en dérogera pas. Et je comprends le fait que les gens soient un peu gênés de faire. Alors, on va parler de 2,5 km de plus, donc après, je ne sais pas combien d'allers-retours ils font par jour, mais bon, après, ça, c'est autre chose. Hein, mais encore une fois, déjà, ça sécurise la partie croisement qui, pour moi, est essentielle. Ça limite quand même, malgré tout, le flux, même si on pense que c'est à la marge. Mais en fait, c'est pour les touristes. Encore une fois, il faut comprendre qu'on est sur une voie où les touristes, quand il y a des flux de touristes, ils passeront par là. Et là, ils seront limités par moitié, quoi, les passages de touristes. Parce qu'on a effectué quand même des calculs qui, effectivement, dans le global, sur des journées, on va dire, communes septembre, ce n'est pas des touristes, c'est des personnes qui travaillent là. Mais quand il y a la fluctuation des touristes, on augmente le flux par là et donc ça réduirait considérablement. Et les mesures ont été faites aussi pendant une période. Là, c'était septembre, c'était à la rentrée. C'était la rentrée, c'était que des actifs. C'était pas des actifs, voilà. Il faut savoir que l'ennemi de cette route, c'est le GPS. Quoi. C'est-à-dire que les gens, ils programment pas de s'arrêter la plupart du temps à Saint-Laurent-Royan pour aller, on va dire, à Pont-en-Royan ou aller plus haut vers Villars ou même traverser le Vercors. Enfin bref, la plupart du temps, ils prennent le chemin le plus court et hop, ça fait tourner là. Donc voilà, c'est aussi pour brider un peu ce dispositif-là. Olivier ? Oui. Moi, je pense quand même qu'on a déplacé le problème parce que, alors d'abord, ça fait probablement plus de gens qui passent sur Saint-Laurent, mais en plus, il y a plus de personnes qui passent du côté des Gâchetières. Non, là-dessus, on avait mis un radar à Gâchetières, hein, parce que moi, je suis le premier concerné hein, avec Thierry, Michel Fézant, tout ça, parce qu'on habite au Gâchetières. Hein, moi, je les avais déjà sensibilisés hein, sur ce point qu'il y avait un risque que peut-être il y aurait une fluctuation. Voilà, mais c'est vraiment, vraiment la marche. J'ai les données qu'on a mis en. Après, c'est ça. Moi, comme j'ai dit, je suis content de l'avoir fait parce que je savais que, de toute façon que les gens allaient me demander des chiffres. Hein. C'est que j'ai mis des radars avant et après. Et j'ai les chiffres, je pourrais vous les donner. Et ça, c'est clair qu'il n'y a pas de fluctuation sur les Gâchetières. Parce qu'en fait, le plus gros flux qui circule. Elles vont principalement, donc quand ça passe par les Pacaliers pour remonter aux Gâchetières, déjà c'est pour aller à la maternelle. Et en définitive, tous ceux qui passent par les Gâchetières, ils se rendent compte que c'est plus long, parce que c'est plus sinueux, c'est plus galère. Et donc les gens, ils passent en long. Non, mais c'est après, il y a l'appréhension et l'analyse. Moi, j'ai toujours dit, je suis plus. Moi, je vais te dire, c'est mon analyse perso aussi, puisque j'y passe régulièrement. Hein, j'habite un peu au-dessus, donc moi, pour partir, même sur Saint-Jean, je passe par là. Je croise beaucoup plus de voitures qu'avant. Je suis désolée. Avant, on croisait pratiquement personne. Oui, mais je croise beaucoup plus de voitures, soit la montée, soit la descente. Là, il y a une appréhension, et après, il y a les données. Et pour moi, un scientifique… Moi, ce n'est pas l'appréhension, c'est ce que je constate à l'heure actuelle, puisque je passe… Tout le temps par là. Mais moi, c'est des gens, en fait, on croise des gens quand je l'ai vu. C'est des gens qui, et peut-être qu'ils ne sont passés qu'une fois parce qu'ils voulaient trouver que c'était trop compliqué. Ouais. Mais je l'ai vu, je parce que. Non, mais après, de toute façon, comme j'avais dit, s'il y avait eu une grosse fluctuation vraiment du simple au double, c'est clair et net qu'on aurait pu envisager ça. Ça ne sert à rien de déporter. Ça sert à rien de déporter la sécurité, quoi. Non, ça c'est certain. Après, comme j'ai dit, il y aura aussi l'aménagement pour rester sur l'aspect voirie. Il y aura aussi une réflexion sur justement l'augmentation un peu, parce que c'est à la marge, du passage des voitures qui vont passer par le bourg, pour aménager en fait la grande ligne droite. Peut-être, on verra, là, c'est en discussion là, mais peut-être aménager avec des feux intelligents sur le tronçon droit là, qui est à l'entrée de Saint-Laurent-Royan, pour limiter un peu le flux. Ouais, c'est la route de Sainte-Eulalie. Là, sur le... Tu as vu le feu à Sainte-Eulalie qu'ils ont mis sur la rampe. Ouais. C'est super. Mmh. Ça te ralentit vraiment. Voilà. C'est rouge et vraiment carré. Mais comme là, on a. Donc là, il y aura une réflexion à voir là-dessus, mais ça sera traité. Oui, voilà. Ouais. Que tu arrives à 80 et qu'il y a une voiture en face qui arrive de pont et qui a déclenché le vert, tu passes le vert à 80. Ce n'est pas ta vitesse hein, qui va l'arrêter. Oui. Après, voilà, ça serait une réflexion qui sera portée sur. On va réfléchir. Vraiment, ça pourrait être.
Ok. C'est moi qui passe tous les jours. Hein. Donc, on va passer. Je ne sais pas si tu avais d'autres points. Okay. Bon, bah, pour les informations, j'ai fait à peu près le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions. Okay. Il y a des questions, diverses. Ah, j'entends un fond, mais je ne suis pas si. Non, c'est bon. Attends, je vais voir s'il n'y a pas le chat parce que moi j'ai bloqué un script. Il y a juste Isabelle qui est partie un moment parce qu'elle elle captait pas, elle n'entendait pas, elle n'avait pas de son. Ouais, désolé pour Isabelle, hein, c'est vrai que parce que c'est vrai qu'elle n'a pas, voilà, elle a pas un super matos de réception. C'est pas la fibre qui gêne là, mais c'est plus le PC. Ouais, mais bon là, c'est vrai qu'on était, je suis un peu embêté de cette situation aussi. J'espère que ça va s'arranger plus tard. Bon. Là, moi là, je vais reboucler quand même avec la sous-préfète pour le prochain conseil municipal pour être certain de est-ce qu'on redéploie cet attirail ou si on peut revenir dans des conditions un peu plus normales, on va dire. Donc, ça sera à voir. Je vous tiendrai au courant sur l'état des choses. Moi, je voulais vous remercier pour votre compréhension pour aujourd'hui parce que c'est vrai que. Voilà, ça a été fait quand même au dernier moment. Et puis, m'excuser pour le début de séance ou le vote du CA. Je n'ai pas percuté que monsieur le maire devait sortir, mais voilà. Non, mais nous non plus, on n'a pas percuté parce que c'était écrit dans ton dossier. C'était écrit en plus. Moi, je regardais que les chiffres, vous voyez. Je n'ai pas regardé les lettres. Là. Ouais. Non, bah, moi, j'avoue que je ne savais pas. Je ne savais pas cette subtilité. Donc, prochain conseil, c'est. Tu peux peut-être rappeler la date, je sais plus. Alors, prochain conseil. C'est 26, 27 avril ou. 29 avril, ouais, c'est ça. 29 avril. OK. Voilà. Donc, on va lever la séance. Je vous remercie tous. Passez une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Au revoir.